Bonjour et bienvenue dans ce hall Bérégovois au cœur du département de Seine-Maritime afin d'assister, de participer et de pouvoir se nourrir de ce qui va être dit cet après-midi depuis bien sûr ce hall même ou derrière vos écrans si vous assistez à cet enregistrement par le biais d'Internet. La peur de l'autre, le dénigrement, la discrimination font malheureusement partie de notre quotidien si on y regarde bien. Et le monde du sport y échappe-t-il ? On va le voir. Serait-il un terrain de jeu où les discriminations y marquent leur territoire ? Et si oui, quel type de discrimination ? Pourquoi et comment réagir contre ? C'est en quelque sorte ce que nous allons évoquer cet après-midi et tenter d'y répondre bien évidemment avec l'ensemble de nos intervenants. Mais sans plus attendre, eh bien, j'invite pour ouvrir officiellement notre réunion, notre colloque, Ludovic Delec, conseiller général, qui est notamment délégué à la lutte contre les discriminations, à ouvrir officiellement notre rendez-vous de cet après-midi. Je vous en prie. Monsieur le directeur régional de jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale, Monsieur le président du comité départemental olympique et sportif, Mesdames et messieurs les conseillers généraux, régionaux, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les présidents, équipes dirigeantes des ligues, comités et clubs sportifs, Mesdames et messieurs les licenciés sportifs, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à l'hôtel du département, pour ce colloque sur la lutte contre les discriminations dans le sport. Ce rendez-vous, aussi important soit-il, ne doit pas être une fin en soi, ne doit pas être une conclusion à des travaux, mais un point d'étape. Car son but est de nous sensibiliser, de prendre conscience pour mieux comprendre ces problématiques et pour pouvoir ensuite agir concrètement. Monsieur le préfet de Seine-Maritime a souhaité engager cette réflexion en lien avec le DOS et le département. C'est tout naturellement que nous avons répondu favorablement à cette demande. Depuis de nombreuses années déjà, le département travaille sur la lutte contre la discrimination, tant en interne qu'en externe. En interne, sur la mise en place de sensibilisation, de formation, d'action, au point de vue de nos agents, ou, par exemple, avec la signature de la charte sur égalité femmes-hommes, dont Caroline Dutarte, ici présente, est chargée. En externe, en soutenant et valorisant le travail des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en mettant en place des partenariats, comme ici avec l'agglomération rouennaise, la CREA, et je salue Marie-Liesse Aubert qui est dans la salle, ou encore en travaillant au sein des jeunes collégiennes et collégiens de notre département avec des stations mises en place dans le cadre du contrat de réussite éducative. Vous avez pu apercevoir cette exposition sur la lutte contre l'immigration. Elle va circuler dans quelques semaines dans l'ensemble des collèges de notre département, dont je crois qu'il y a quelqu'un du collège Brac ici pourra faire la demande. Dans le domaine plus particulièrement du sport, je citerai deux dispositifs que nous avons mis en place et que vous connaissez. Le premier, c'est le passeport 76, qui a permis depuis sa création à plus de 180 000 jeunes d'accéder à une pratique sportive en les aidant financièrement. Certaines villes, comme la ville de Rouen, poursuivent ce travail aussi, puisqu'ils ont mis en place le contrat partenaire jeune en lien avec la CAF pour le favoriser le sport pour tous. De plus, dans le cadre de l'appel à projet Solisport 76, nous demandons aux associations de privilégier la pratique sportive des personnes qui en sont le plus éloignées, zones rurales, quartiers sensibles, personnes âgées en situation de handicap ou parfois même les femmes. Pour réaliser ce diagnostic, nous avons mis en place un groupe de travail, un comité de pilotage autour de Franck Clouvier, de Jérôme Demichery et de moi-même. Je tiens à remercier très sincèrement tous les partenaires qui ont pris le temps de réaliser ce travail avec nous. Les services du département et de l'État, la direction de la citoyenneté, le cabinet, la DDCS, l'accès. Je tiens à remercier tout particulièrement, je ne la vois plus, mais c'est Chantal Nallet qui a fait un très gros travail et Frédéric Saudret. Le CDOS qui était toujours présent.
Je remercie aussi les agglomérations de Rouen, de Dieppe et la ville du Havre, la LICRA, Madame la déléguée au défenseur des droits, et enfin la PJ 76 qui a fait un véritable travail sur l'enquête et sur le questionnaire que vous avez pu remplir. Je remercie également tous ceux qui vont intervenir et témoigner aujourd'hui et qui apporteront beaucoup d'éléments à notre réflexion. Mais je voudrais aussi et surtout vous remercier, vous, acteurs du monde sportif, qui avez pris le temps de répondre à ces questions et aux entretiens, puisque plus de 180 réponses nous sont parvenues. Ça peut paraître peu, ça représente 15% pourtant des clubs sportifs de notre département, ce qui est beaucoup pour ce genre d'enquête. Tous les résultats, tous les documents ont bien évidemment été transmis à Madame la Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative. Les résultats de cette enquête montrent une méconnaissance des dispositifs pour lutter contre les discriminations. Il est certain que nous, collectivités, nous demandons toujours de plus en plus aux associations, notamment sportives, aux bénévoles, puisque c'est surtout inventé des bénévoles. Et on sait que vous ne pouvez pas tout savoir, tout connaître et tout gérer. D'où l'utilité, et nous y reviendrons sur, puisque comme je vous le disais, le but n'est pas seulement de sensibiliser, mais de mettre des actions derrière, l'utilité que vous avez exprimée d'une structure référente au niveau local dans le sport et les luttes contre les discriminations. Enfin, l'étude montre également le besoin de modules spécifiques dans la préparation des diplômes. Les résultats dans son ensemble donnent des choses auxquelles nous pouvions nous attendre, mais également des choses un peu plus inattendues. Si vous êtes 97% à dire qu'il existe des discriminations en général dans le sport, vous n'êtes qu'un quart à admettre qu'il en existe dans votre sport. Ça peut paraître bizarre. Pourtant, je vais prendre quelques exemples exprès. Combien d'entraîneurs de basket, de pro et de pro B, ne sont pas blancs ? Combien de joueurs de football osent ou n'ont pas osé, s'ils le souhaitent, parler de leur homosexualité face à certaines paroles dans les vestiaires ou ailleurs ? Dans combien de sports les femmes et les hommes gagnent-ils les mêmes primes ? Je ne dis pas cela pour stigmatiser tel ou tel sport, mais pour bien montrer que nous ne sommes sans doute pas assez sensibilisés face à ces sujets. Nous n'y pensons peut-être pas. Hier soir, on était en train de préparer ce colloque. Nous parlions d'un organisateur, qui disait qu'il ne savait pas comment donner le même gain pour les femmes et les hommes, puisqu'il y avait 400 participants hommes, je vais y arriver, et 200 femmes. Pourquoi ne pas tout simplement dire qu'il y a 600 participants ? À l'heure où les équipes féminines nationales réussissent aussi bien, voire parfois mieux, que les équipes nationales hommes, ont-elles pour autant une aussi large diffusion médiatique ? Combien de jeunes font partie des CA, des équipes dirigeantes ? Pourquoi, c'est une vraie question que je me pose, pourquoi les Jeux paralympiques n'ont-ils pas lieu en même temps que les Jeux olympiques ? Et je ne me dédouane pas non plus. J'étais entraîneur de tennis, et en tant qu'entraîneur, on aime toujours avoir un peu les meilleurs, c'est toujours plus valorisant. Ai-je pas mis volontairement ou involontairement, certains un peu plus de côté, parce qu'ils étaient un peu moins bons, du fait de leur âge peut-être, plus jeunes, plus vieux, ou peut-être parce qu'ils avaient un problème de poids par exemple. Nous le voyons, on a tous des exemples dans tous les sports possibles. Dans le sport, évidemment, le sport n'est pas seulement le seul domaine qui est touché, on peut voir les mêmes choses dans le point de vue économique, dans le plan culturel et dans le plan politique également. C'est le but de ce colloque. Que nous parlions de ces sujets, que nous soyons sensibilisés, que nous posions un diagnostic pour pouvoir agir concrètement derrière. Pour cela, il faut que ce soit une cause commune sur le territoire, pour ne pas s'éparpiller. C'est pour cela que l'État, la DSS, nous, le département, des acteurs du sport, de la LICRA, nous avons choisi de nous réunir pour travailler ensemble là-dessus. Mais nous ne pouvons pas tout seuls. Nous pouvons aider, nous pouvons donner un cap, mais nous ne pouvons rien seuls, nous ne pouvons rien sans vous, nous ne pouvons rien sans le monde sportif. On dit que le sport est une école de la vie et c'est vrai. À nous de faire en sorte que cette école apprenne les droits et les devoirs,
le respect de l'arbitre et des règles, mais aussi le respect de la différence, le respect de l'autre, la tolérance. Alors c'est sûr, ça peut faire un peu des belles paroles, un beau discours. On peut se dire que bah, c'est pas ici qu'on va changer les choses, à notre petit plan, que c'est vrai que c'est pas vraiment notre faute si y a de telles pratiques, si des personnes ne peuvent pas pratiquer le sport pour des raisons matérielles, pour raisons de mœurs, pour d'autres raisons. Par contre, je pense vraiment que ça le deviendrait si on n'était pas là pour y réfléchir et si on n'était pas là pour apporter des réponses et des solutions. Parce qu'on peut changer les choses à notre échelle, pendant notre entraînement, dans notre club, dans le sport en Seine-Maritime, car chacune et chacun d'entre nous, nous pouvons changer les choses dans notre domaine. Je vous remercie. Merci Ludovic Delec. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, on va poursuivre cette phase introductive. J'invite maintenant Franck Plouvier, directeur départemental de la cohésion sociale de Seine-Maritime, qui représente donc bien sûr l'État, notamment les politiques, les dispositifs relatifs à la thématique qui nous réunit aujourd'hui, à prendre à son tour la parole et ses micros. Bien, merci. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants du sport, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. D'abord, je souhaiterais commencer mon propos en vous présentant les excuses de la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, Valérie Fourneyron, qui était théoriquement présente avec nous, en particulier pour conclure les propos de ce colloque et qui malheureusement a été appelée à Marseille aux côtés du Premier ministre sur une autre mission, et elle en est tout à fait désolée. Et croyez bien qu'elle suit avec attention nos travaux et en particulier les conclusions que nous en tirerons. Voilà, nous avons mené en 2013, donc, ce vient d'être dit très bien par Ludovic Delesc, une enquête sur les discriminations dans le sport en Seine-Maritime. C'est une enquête qui constitue la première étape de la mise en œuvre d'un projet que ma direction a soumis au ministère des Sports au début de l'année 2013, un projet qui a été validé par ce ministère, puisque un projet qui s'inscrit dans les orientations gouvernementales, dans les priorités gouvernementales. Pour donner toute l'amplitude nécessaire à cette démarche, nous avons souhaité nous associer avec le département, ça a été dit également, et avec le mouvement sportif, qui est représenté par le GDOS. Puis nous avons constitué un comité de pilotage que nous avons élargi à d'autres acteurs concernés par la thématique, en particulier la CREA, qui a déjà fait un travail sur le sujet, la ville du Havre, l'agglomération diepoise, la LICRA, le défenseur des droits et l'association Profession Sport Jeunesse 76. Ce présent colloque donc s'inscrit dans la poursuite de cette enquête et il constitue le premier résultat des travaux de notre comité de pilotage. La pratique sportive n'est pas à l'abri de comportements de rejet liés à la nationalité, à la confession, à l'orientation sexuelle, à l'origine, au genre ou encore au handicap, quel qu'il soit. Quelques illustrations, quelques exemples dans le sport. Un club refuse la prise d'adhésion ou de délivrer une licence à une personne homosexuelle, à une femme, à une personne en surpoids, à une personne en situation de handicap, à une personne senior, à une personne de confession musulmane. La loi détermine aujourd'hui 20 critères de discrimination. Les moyens de la discrimination sont de tous ordres, c'est-à-dire qu'on discrimine en excluant, en identifiant une distinction, en ayant des préférences, en étant fermé sur une idée préconçue, ou en n'étant pas équitable envers quelqu'un ou quelque chose. La discrimination, elle est partout, elle peut s'exercer envers tous et elle peut prendre différentes formes. En tout cas, les questions suivantes méritent d'être posées. Des sportifs ont-ils déjà ressenti une différence de traitement dans leur pratique? Des jeunes ont-ils été écartés de certaines manifestations ou tournois pour des prétextes pas toujours justifiés par leur qualité sportive? Les éducateurs sportifs sont-ils, dans le cadre de leur formation, sensibilisés à la lutte contre les discriminations? Ne confondons-nous pas, la plupart du temps, racisme et discrimination. Il est assez logiquement admis que des qualités physiques et sportives soient recherchées chez les sportifs, dans le cadre des compétitions en particulier. Le sport catégorise, hiérarchise par niveau, exclut de fait ceux et celles qui n'entrent pas dans la sélection. Certaines fédérations énoncent même des critères qui permettent un accès à la performance. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que la taille d'un sportif l'empêche vraiment d'être performant? Est-ce que ce paradoxe qui voit certains sportifs réussir au plus haut niveau sans correspondre à la norme fédérale pose question et doit nous amener à réfléchir au bien fondé
des règles de sélection en vigueur. Il est en tout cas intolérable que la pratique sportive puisse cautionner des comportements de rejet liés à l'orientation sexuelle, aux mœurs, aux convictions religieuses ou encore à l'origine. Que ce soit dans la pratique de loisirs ou dans la pratique de haut niveau, ces comportements ne doivent pas exister. Et dans le cas contraire, ils doivent disparaître. Et à défaut, ils doivent être punis. Ainsi, de manière générale, nous considérons que pour soutenir la politique du sport pour tous, qui constitue le fil rouge de notre action, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des freins à la pratique sportive, qui, nous le savons tous, est essentielle au bien-être et à la santé. C'est pourquoi la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale, associée au département et au comité départemental olympique et sportif, au CDOS, dont je salue le président, a décidé de mettre en place une stratégie de lutte contre les discriminations dans le sport. Ça commence par décider qu'il s'agit de lutter contre toutes les formes de discrimination, mais aussi de concevoir des outils au service de l'information et de la formation des bénévoles et des professionnels du sport, par la mise en place d'une sensibilisation des jeunes et des adultes aux discriminations dans le sport, pour susciter une vraie prise de conscience aux actes discriminatoires que les uns et les autres, pratiquants et encadrants, peuvent être amenés à commettre. Les clubs et les comités départementaux perçoivent la discrimination dans le sport en général, principalement au travers du racisme. Cette thématique n'est donc pas à négliger, étant donné qu'elle est la plus représentative de la discrimination pour la majorité des personnes qui ont été questionnées dans le cadre de notre enquête en Seine-Maritime. Par ailleurs, la spécificité de chaque discipline implique une vision de la discrimination différente. Certaines structures estiment qu'il y a présence de faits discriminatoires dans le sport en général, mais pas dans leur discipline. Les comités départementaux vont dans le même sens que les clubs, en déclarant qu'il n'y a pas de phénomène discriminatoire dans les pratiques sportives qu'ils organisent. Ce colloque, aujourd'hui, il nous invite donc à une prise de conscience, à une réflexion et à un débat citoyen pour changer nos pratiques et nos comportements. Il est le prélude, cela a été dit aussi par Ludovic de Lesque, d'un plan d'action structuré qui sera mis en place en Seine-Maritime par l'ensemble des partenaires. Il s'agira, en partenariat avec les acteurs du sport, de sensibiliser, de former, de changer les représentations. Je vous remercie tous pour votre engagement. Bon colloque. Merci Franck Louvier. Il y a déjà un certain nombre de choses, d'éléments qui ont été évoqués, qui bien sûr vont permettre de rebondir et d'être développés dans un instant. Avant qu'on démarre la première table ronde, il nous a paru intéressant de prendre connaissance d'un certain nombre d'éléments, de les croiser, dès lors que l'on évoque justement, vous l'avez dit vous-même, hein, mixité, citoyenneté, éducation et bien sûr le sport. Et ça tombe bien parce que nous avons avec nous Loïc Le Canu, qui représente justement la part de ses fonctions, il va venir me rejoindre maintenant, la branche du ministère, qui travaille sur l'insertion au sein du pôle ressources nationales. Donc les éléments avec vous, ce petit instrument bien pratique, en appuyant ici, vous avez la main, c'est à vous. Et après, j'inviterai les intervenants de la première table ronde à venir nous rejoindre. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je me présente Loïc Le Canu. Je suis chargé de mission au sein du Pôle Ressources Nationales Sport, Éducation, Mixité, Citoyenneté, qui est un organisme qui dépend et qui est rattaché au ministère des Sports, la Direction des Sports, qui est physiquement basé à Aix-en-Provence, mais qui est un pôle ressources national et qui est chargé d'appuyer et d'accompagner la mise en œuvre des politiques et des orientations ministérielles qui reposent clairement sur deux piliers, qui sont d'une part la correction des inégalités, notamment d'accès à la pratique sportive, et l'éthique et les valeurs du sport. Donc aujourd'hui, on est un colloque qui est vraiment à l'intersection de ces deux problématiques, d'où notre volonté de nous y associer. Le pôle ressources, au travers de ces deux piliers, décline ça sur cinq thématiques privilégiées, qui sont la lutte contre les discriminations et toute forme de stéréotypes. Donc là, on est à la fois sur les discriminations et stéréotypes sexuels, raciaux, générationnels, ethniques, religieux. Enfin bon, vraiment, on embrasse assez large. Deuxième thématique forte, mais qui sera développée par Stéphanie Mahuet sur une table ronde un petit peu plus tard, qui est plus spécifique sur l'accès des femmes à la fois à la pratique sportive et aux responsabilités, notamment sur les fonctions d'élus dans le mouvement sportif. Une troisième thématique spécifique qui est la lutte contre les incivilités et les violences dans le sport. Donc là, on est sur toute forme d'incivilité, de violence, hein, violence verbale, violence physique, etc. Notamment l'accompagnement
de tout ce qui est mission et travaux d'observatoire en lien avec les fédérations sportives, mais aussi et surtout avec les territoires et les services déconcentrés du ministère. D'où l'intérêt particulier qu'on a eu sur l'initiative qui était développée par la direction départementale de Seine-Maritime autour de cette volonté justement d'observation et de quantification assez précise des phénomènes de violence, de discrimination dans le sport. Une quatrième thématique qui est l'éducation et l'insertion par le sport, où là on a un attachement particulier à tout ce qui va être problématique éducative avec le sport comme outil d'éducation et d'insertion. Donc on travaille à la fois sur les potentialités, mais aussi et surtout sur la méthodologie d'intervention. Voilà, partant du principe que le sport a des potentialités, des spécificités, mais qu'il faut savoir l'utiliser avec un certain nombre de cadres méthodologiques et une approche technicienne. Et enfin, une dernière thématique qui est plutôt récente chez nous, qui s'appelle l'inclusion sociale, qui est la traduction d'un vocable européen, où là, on est sur le sport comme outil de réinsertion sociale pour des publics qui en sont très, très éloignés. Donc, on va être à la fois sur des problématiques de primo-arrivants, de personnes vivant dans la rue, de personnes... de réfugiés de guerre, voilà, vraiment des publics qui en sont très loin, où là, on n'est pas sur une problématique et sur un objectif de développement de la pratique licenciée, mais vraiment de redistribution vers les dispositifs de droit commun. Et de, voilà. Donc évidemment, le pôle ressources, outil du ministère, n'a absolument pas vocation à travailler seul. Notre première vocation est d'être structure d'accompagnement, avec un schéma qui est un peu spécifique, mais des services déconcentrés relevant du ministère, donc les directions régionales, mais aussi les directions départementales, parce qu'on voit qu'il y a une articulation et une force de production qui se fait à tous les niveaux. Et une volonté de ne pas travailler seul, mais vraiment de s'appuyer sur un réseau de partenaires qui englobe à la fois les fédérations sportives, les autres institutions de l'État, parce qu'on a évidemment une approche interministérielle, donc on travaille en relation étroite avec les deux branches de la justice, qu'ils soient PJJ et pénitentiaire, avec la politique de la ville, avec l'éducation nationale, avec l'intérieur, etc. Voilà, vraiment une approche collective et collégiale. Un lien fort et a priori de plus en plus fort avec les collectivités locales et territoriales, avec la mise en avant des projets territoriaux notamment, donc voilà, l'accompagnement d'un certain nombre de dynamiques, et avec les associations nationales, donc j'ai distingué associations nationales Fédération et Association nationale type LICRA qui est représentée aujourd'hui, mais aussi beaucoup d'autres partenaires, Fédération gay et lesbien, etc., en fonction des thématiques et des objectifs spécifiques développés. Donc nos missions, très vite, comme je vous l'ai dit, une mission d'accompagnement et d'animation de réseau d'acteurs au niveau national comme au niveau local. Le pôle est aussi un réservoir d'expertise, donc à la fois l'expertise thématique internalisée par le biais des chargés de mission qui ont quand même une notoriété et un réseau spécifique, mais aussi une ressource d'expertise au travers de l'expertise extérieure mobilisable, donc un gros réseau universitaire, des relais d'acteurs, de chercheurs, etc. Notre rôle, c'est aussi d'être des traits d'union entre vos besoins et notre offre, grosso modo. Un centre de ressources documentaires, faut savoir que le pôle ressources a créé et héberge le premier centre de ressources documentaires qui est spécifiquement dédié à l'éducation, l'insertion, la mixité par le sport. Donc c'est un centre documentaire qui est à la fois accessible virtuellement via Internet, je vous donnerai les liens en conclusion, et qui est aussi un centre documentaire physique. Donc vous pouvez y aller, bénéficier du prêt de livres, etc. Pardon. Et on a une chargée de mission à plein temps là-dessus, qui a pour boulot, pour job, de vous accompagner sur la constitution de ressources bibliographiques spécifiques, de recherches, de choses comme ça. Voilà. On est amené à piloter, à coordonner un certain nombre de missions nationales, donc je vous le disais, sur l'inclusion sociale, sur la lutte contre la discrimination, sur la lutte contre l'homophobie, sur les violences, sur les observatoires, sur les choses comme ça. Voilà. Donc on est pilote de ces missions-là. On met en place un certain nombre de rencontres et de forums d'acteurs avec deux produits qui sont identifiés, à la fois un cycle de conférences-débats donc qui se décline dans les territoires. Le prochain, c'est le 5 décembre à Vierzon, le correspondant est là. Et également des journées techniques et thématiques qui s'inscrivent dans les territoires, mais qui ont une envergure nationale sur des thématiques très précises et très identifiées. Une mission de formation, à la fois en s'inscrivant au PNF, au PRF, donc tout ce qui va être formation des cadres d'État,
mais aussi une mission de formation de tous les partenaires extérieurs qui en font la demande. Et un département publication pour ce qu'on est amené à publier beaucoup sur les différentes thématiques que j'ai pu vous citer. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'un certain nombre de ces publications sont peut-être disponibles quelque part en salle et vous pouvez vous servir sur la table là-bas, il me semble. Donc le pôle, comme je vous le disais, s'inscrit dans une logique d'accompagnement des dynamiques et des acteurs territoriaux. Ça, c'est une problématique importante, comme le soulignait le vice-président. Il y a des dynamiques territoriales qui se mettent en place et le pôle voit ses missions qui sont peu à peu reconfigurées et réorientées vers un accompagnement de ces dynamiques. Ce qui a été lancé en Seine-Maritime, pour nous, c'est assez modèle, dans le sens à la fois l'initiative est modèle, le résultat est modèle, et ça porte à modélisation. L'idée, le positionnement du pôle, c'est de réussir à s'inscrire comme un accompagnateur durable. Le colloque, vous l'avez souligné, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une fin en soi, c'est un point de passage dans une dynamique pérenne, durable, et c'est là-dessus qu'on veut essayer de se positionner, à la fois en étant structure de capitalisation, donc aujourd'hui c'est nous qui produirons les actes et qui diffuserons les synthèses des débats de tout ce qui va être fait aujourd'hui. On espère aussi pouvoir valoriser au niveau national ce qui a été fait et votre initiative locale, mais aussi, pourquoi pas, essayer de faire bénéficier d'autres territoires de l'initiative et des travaux que vous avez pu conduire ici, parce qu'on sait que c'est des problématiques qui sont très très importantes et on a d'autres territoires qui font appel à nous pour bénéficier du savoir-faire qui a été développé ici. Et donc une notion de partage, bien évidemment. Donc voilà, tout ça est très très rassemblé. Pour nous contacter, on a deux sites et deux moyens particuliers. Soit vous rentrez en contact avec nous par mail, soit vous connectez au site internet et voilà. Je vous remercie. Merci Loïc Le Canu. Je vous remercie. Deux temps forts, donc vous l'avez compris, si vous avez regardé votre programme, deux temps forts avec deux tables rondes, chacune enchaînée avec un échange avec vous, bien évidemment, afin de demander des précisions sur ce qui aurait été évoqué, de poser des questions, nous faire remonter également peut-être des informations et des précisions de terrain qu'on n'aurait éventuellement pas évoquées. À propos d'évoquer, dans l'ensemble des aspects concernant la discrimination qui nous allons balayer maintenant, nous n'avons pas retenu celle concernant le handicap. Non pas que nous ne souhaitions pas l'aborder, vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout la volonté, mais tout simplement parce qu'il y a quelques semaines, un autre colloque, ici même à Rouen, a abordé l'aspect handicap et notamment discrimination par nos collègues de la CREA. Et l'objet de ces deux colloques, était et toujours de tenter de faire avancer les choses, ce que nous proposons, nous concentrer sur des aspects ayant trait à la discrimination. Et vous constaterez aisément que les thèmes qui vont être développés cet après-midi sont déjà suffisants pour qu'on le fasse. Alors bien évidemment, je ne doute pas qu'au moment des échanges, certaines et certains aient envie de rappeler la discrimination qui s'insinue à travers le sport notamment, mais c'est juste pour vous dire que si nous ne l'avons pas retenu, c'est parce qu'il y avait un colloque important avant et qu'on pourra en parler, mais que ce ne sera pas l'essentiel de nos propos et de nos échanges aujourd'hui. Deux experts et un grand témoin vont nous rejoindre maintenant. Alors je l'ai vu partir loin, j'espère qu'il doit revenir. Il s'agit de Christelle Foucault et Anthony Met qui vont maintenant prendre place ici, et puis Philippe Lyotard, avec qui nous allons commencer. Le voilà, Philippe Lyotard, c'est notre grand témoin. Il va venir, vous prenez place ici directement. Madame, monsieur, vous vous installez où vous le souhaitez dans les fauteuils. Philippe Lyotard, vous êtes sociologue. Vous allez planter le décor, en quelque sorte, sur ce qu'on attend quand on parle de discrimination, qui est en plus dans le sport, et surtout ce que nous faisons parfois au quotidien. Ça a déjà été évoqué dans les propos introductifs, sans nous en rendre compte vraiment. Donc avec vous, on va un petit peu donner un coup de pied dans la fourmilière sur des expressions, sur un ensemble d'éléments, poser le décor en quelque sorte, et puis à la suite de quoi, eh bien, on se tournera vers les deux premiers experts de la table ronde. C'est à vous, Philippe. Merci, Michel. Bonjour. Alors, coup de pied dans la fourmilière, je ne sais pas. En tout cas, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, donc je ne vais pas les reprendre. J'ai entendu, par exemple, que le sport était une école de la vie. Et donc, si c'est une école de la vie, c'est aussi une école de la discrimination. C'est aussi un lieu où on va apprendre les discriminations, puisqu'il y en a dans le sport comme ailleurs, et que si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas attention, les discriminations à l'égard des personnes différentes, qu'elles soient, que ce soit en raison de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leur sexe,
eh bien, elles vont être intégrées, elles vont être apprises par les jeunes générations. Donc la question que je vais poser maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'une compréhension des discriminations pour agir. Et pas seulement pour agir d'une façon réglementaire, juridique, qui s'impose parfois, mais pour agir d'une manière peut-être plus ordinaire, plus courante, plus habituelle, non seulement au niveau des instances, mais aussi au niveau des clubs, au niveau des pratiques quotidiennes. Alors bien sûr, une des premières questions qui se pose, c'est de savoir de quoi l'on parle quand on parle de discrimination. Et on s'aperçoit qu'il y a souvent des confusions, ça a été dit. Les discriminations ont à voir avec le racisme, mais ça n'est pas du racisme. Elles ont à voir avec l'homophobie, mais ça n'est pas de l'homophobie. Elles ont à voir avec le sexisme, mais ça n'est pas le sexisme. En revanche, sexisme, racisme, homophobie vont peut-être fonder des actes qui, eux, sont discriminatoires, c'est-à-dire des traitements qui vont être discriminants, qui vont être imposés à des personnes et qui vont produire des situations inégalitaires. Alors, cette définition très rapide, on peut aller chercher d'autres définitions, bien sûr, elle permet d'abord de penser la discrimination comme une action, un acte. Ce n'est pas purement intellectuel, ce n'est pas seulement dans les représentations, c'est quelque chose de concret, une discrimination. Et cette discrimination, elle peut être fondée sur un jugement de valeur ou sur un sentiment négatif qu'on peut exercer, non pas à l'égard d'une personne, mais à l'égard d'une personne qui est associée à une catégorie. Et donc, il faut qu'il y ait un acte qui va produire un traitement inégalitaire, un traitement objectivement inégalitaire. Alors, la question maintenant qui se pose à la suite, c'est de savoir qu'est-ce qui permet aussi de situer, de caractériser une victime de discrimination, notamment par rapport à une chose très importante qu'on a abordée rapidement déjà, c'est de savoir que les victimes, comme les acteurs et les actrices de discrimination, n'ont pas forcément conscience ou bien d'être victimes ou bien d'être acteurs de discrimination. Parce qu'il existe un certain nombre d'usages sociaux, de choix qui sont faits, qui peuvent paraître légitimes, qui peuvent paraître acceptables, alors qu'en fait, il s'agit de discrimination. Si je reviens au sport, je vous invite à aller voir tout à l'heure l'exposition, l'expo quiz qui est affichée, qui a été réalisée par une petite structure lyonnaise qui travaille sur les pédagogies en direction des jeunes et des élèves. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui illustrent les discriminations dans le sport. Non pas en termes d'exclusion, non pas seulement en termes d'exclusion, mais aussi en termes de propos ordinaires, par exemple des blagues. L'humour est souvent une forme de discrimination courante, ordinaire. Sur qui portent les blagues? Sur qui portent les réflexions qui sont faites dans un groupe? De qui se moque-t-on dans le groupe? Par exemple, il y a une image qui dit ce sont des sumotori qui interpellent l'un d'entre eux, qui dit « Alors Slim Fast, ça va ?» Parce que oui, il est différent physiquement, il n'a pas le même gabarit. Mais le fait de se moquer de l'autre simplement par son apparence, par son appartenance ou par son sexe, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, devient très pénible pour les victimes de ces usages ordinaires de ce que j'appelle une discrimination discrète. C'est-à-dire une discrimination qui ne va pas non plus forcément tomber sous le coup de la loi, mais qui produit bien, objectivement, un traitement différencié vis-à-vis des personnes qu'on considère comme étant inférieures au sein du groupe, le bouc émissaire, ce dont on va se moquer, etc. Alors bien sûr, vous pouvez tout à fait illustrer ce que je dis en prenant les 18 critères officiels des discriminations et en mettant derrière la race, le sexe, etc., etc. Maintenant, il y a un autre point qui me paraît important si on veut travailler sur le sport. La complexité des réflexions sur les discriminations dans le sport vient du fait que le sport fédéral, j'entends, le sport structuré sur le modèle fédéral compétitif, est une pratique qui, de fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est excluante. Le sport génère des gagnants, mais il génère bien plus de perdants. Et quand on perd, on ne joue plus. Donc, une des réflexions à mener, c'est celle-ci. Comment peut-on réfléchir dans le cadre d'organisations sportives rattachées au sport fédéral qui discriminent les équipes par rapport à leur sexe, à leur âge? On ne joue pas ensemble quand on est trop jeune ou trop vieux, quand on est un homme ou quand on est une femme, mais aussi et surtout par rapport à leur niveau, par rapport au niveau de pratique. Le niveau de pratique est, dans le cadre sportif, le premier élément qui génère des discriminations jugées légitimes. Jugées légitimes par rapport à un modèle, il en existe d'autres, mais qui est un modèle de recherche d'accès à la performance. Alors, vous voyez que tout de suite, la difficulté se pose. Comment peut-on faire pour inclure des personnes, y compris si elles ne sont pas performantes?
L'enjeu est là. S'il suffit d'intégrer les personnes les plus performantes, les plus fortes, celles qui rapportent des médailles, c'est relativement facile. Mais que fait-on des autres ? Que fait-on des autres qui sont elles-mêmes porteuses de différences et qui ne sont pas dans l'excellence sportive ? Et qui, tout en n'étant pas dans l'excellence sportive, peuvent avoir une revendication tout à fait légitime à s'engager dans la pratique sportive. Alors, la contradiction, elle est là. Et la question qui se pose, c'est de réfléchir à une inégalité des traitements qui provient d'une structuration réglementaire des sports. Alors, rien ne dit dans les règlements des fédérations sportives qu'il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, Ludovic, qu'il faut donner le meilleur entraîneur à la meilleure équipe. Ce n'est pas écrit dans les règlements. On pourrait penser que le meilleur entraîneur pourrait aller vers les plus jeunes ou vers ceux qui sont les plus mauvais pour les faire progresser. Mais la structuration fait qu'on va plutôt avoir tendance à investir dans l'excellence aux dépens de ceux qui ne sont pas dans cette excellence. Et par conséquent, de ceux qui peuvent peut-être avoir plus besoin encore d'accompagnement, d'encadrement et de suivi. Alors, je vais prendre deux exemples. L'exemple du handicap, je ne vais pas le développer, mais je le prends pour penser aussi le fait que ce rapport à la performance doit être pensé, y compris dans les catégories pour lesquelles il y a une attention particulière, notamment la question du handicap, depuis la loi de 2005, bien sûr, mais aussi depuis le développement du mouvement handisport, commence à être relativement accepté. Néanmoins, il y a aussi des discriminations, d'une part, en fonction du type et du degré de handicap. On peut dire qu'il y a des différences entre les personnes handicapées dans l'accès au sport, mais aussi, bien sûr, selon le niveau de performance. Je prendrai un exemple, un seul. J'étais à Lyon au mois de juillet pour les championnats du monde handisport. La plupart des champions français et d'ailleurs qui ont réussi, qui sont au plus haut niveau, s'entraînent dans les clubs d'athlétisme valides. Puisque ces clubs d'athlétisme valides accueillent des sportifs de haut niveau qui vont courir en fauteuil ou qui vont courir avec des lames en carbone ou qui vont faire du saut en longueur avec un bras en moins. Mais que se passe-t-il pour les autres personnes handicapées qui ne sont pas en mesure d'accéder à ces clubs valides? Est-ce que les clubs valides sont prêts à accueillir toutes les personnes handicapées qui désireraient faire de l'athlétisme? Il se trouve qu'aujourd'hui, la fédération handisport est une réponse peut-être aussi à l'exclusion des sportifs handicapés qui pourraient tout à fait pratiquer en milieu ordinaire, mais qui n'ont pas le niveau pour y aller. Autre exemple, sur l'homophobie qui va être développée juste après. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi qui interdisent la pratique aux homosexuels du sport. Mais l'exclusion, les discriminations qui se produisent sont bien de l'ordre d'une expérience concrète, ordinaire, qui n'exclut pas forcément toujours de façon violente, mais qui fait que l'ambiance qui se perpétue dans un environnement masculin, par exemple, dans un club de foot, de rugby, de handball, fait que les personnes homosexuelles pourront avoir suffisamment de mal-être et de malaise au sein de leur propre équipe pour avoir envie, au bout d'un certain temps, d'aller voir ailleurs. Donc cette discrimination, elle vient aussi de toutes les remarques. Ce n'est pas une discrimination forcément très violente qui se traduit par une violence physique, mais c'est une discrimination qui se produit par la répétition de remarques qui va amener parfois la personne à, non pas à s'exclure elle-même, comme j'entends parfois, mais à quitter un lieu dans lequel elle n'est pas en situation de bien-être. Alors bien sûr, pourtant, il est possible de jouer différemment. Il est possible de jouer ensemble, il est possible de penser des configurations différentes. Alors, je ne m'adresse pas, bien sûr, je ne pense pas ça dans le terme de haut niveau. La pratique sportive fédérale de haut niveau a des contraintes qui sont suffisamment fortes pour qu'on ne puisse pas vraiment jouer sur les règlements, si ce n'est pour améliorer le spectacle ou garantir l'éthique du sport. Néanmoins, à tous les autres niveaux, y compris dans les clubs, y compris dans les structures sportives fédérales, mais aussi, bien sûr, dans l'ensemble des collectivités locales qui organisent les pratiques d'activité physique, notamment en direction des jeunes, notamment en direction des quartiers ou des structures qui relèvent de la politique de la ville, il est possible de faire preuve d'ingéniosité et d'inventer d'autres manières de jouer qui permettent de jouer ensemble. Et quand je dis jouer ensemble, ça veut dire jouer ensemble, peut-être avec des niveaux différents, mais en tenant compte aussi de différences corporelles, en éclatant aussi peut-être les modèles habituels qui font que les filles peuvent jouer avec les garçons, les handicapés peuvent taper des balles avec des valides, à condition, bien sûr, de n'être pas uniquement organisé par la recherche de performance. Se poser ces questions sur les discriminations, eh bien, c'est s'interroger sur ce qui les produit au quotidien. C'est la première source, selon moi, qui permet de les résorber. S'interroger sur ce qui produit
dans notre usage quotidien, dans notre pratique quotidienne, des discriminations. À condition toutefois de le vouloir, et à condition bien sûr d'être persuadé que chacun et chacune, à son échelle, comme vous le disiez tout à l'heure, peut intervenir. Je vous remercie. Merci Philippe Lyotard. Je vous en prie, prenez place. Philippe Lyotard, notre grand témoin, donc, qui, vous l'avez compris, réinterviendra à la fin de notre rendez-vous de cet après-midi, qui peut le faire à tout moment, mais qui va se concentrer sur la phase écoute maintenant. Et vous avez souligné aussi cet aspect d'écouter pour réagir, pour structurer, pour donner des solutions. Nos deux premiers intervenants sur la table ronde, avant de venir vous voir et de vous écouter et d'échanger avec vous, beaucoup d'exemples ont déjà été cités en matière de discrimination. Je vous propose d'en voir un en image. C'est relativement court. On va rentrer dans un vestiaire. Les images, et après, on vient vous voir. T'as raison, pauvre idiote, là, c'est contagieux. Mais dites les filles, vous l'avez trouvée où celle-là? Parce qu'elle dit une vraiment sacrée couche, hein. Elle dit oui, la lesbiche, hein. C'est pas contagieux. Enfin, une parole sensée. C'est pas parce que je vous sens que je fais pas la part des choses, hein. Je m'en fous, moi, que vous soyez des gousses. Chacune fait ce qu'elle veut, hein. C'est vous qui, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Julie, attends. Voilà, témoignage par l'image, reconstitution de faits réels, bien évidemment. Deux experts, maintenant, pour à la fois tenter de trouver des pistes d'action quand on parle de discrimination, d'homophobie, là, et de manière plus globale, dont je le disais, d'autres discriminations, dans le domaine football professionnel. C'est avec vous qu'on va commencer, Anthony Maine. Vous êtes chercheur et psychologue du sport et de la santé. Vous êtes l'homme de la situation pour ouvrir ce retour d'expérience en qualité d'expert, non seulement parce que votre doctorat reposait justement sur sport et discrimination, et que vous avez également mené une enquête dans le milieu footballistique et que vous avez forcément un certain nombre d'informations à nous communiquer sur la réalité du terrain. Et puis dans un second temps, eh bien, on reviendra sur ce que l'on peut faire concrètement une fois qu'on a pris connaissance de cet état de fait. Tout d'abord, donc, votre enquête... De quoi part-elle? Comment vous l'avez menée? Sous quelle forme? Et qu'est-ce qu'elle fait remonter comme constatation? Est-ce que ce sont des choses auxquelles on aurait pensé éventuellement? Ah, vous pouvez rester là. Voilà, c'est la table ronde, donc n'hésitez pas. Mais votre micro fonctionne. Alors, l'enquête, elle a commencé. Donc, c'est une demande du Paris Foot Gay, club de foot donc, parisien, et financé donc, par Randstedt. Donc, ils sont venus nous voir en nous disant, à votre avis, est-ce qu'on peut mesurer concrètement les pensées des joueurs de foot professionnels envers les différentes discriminations, et notamment les questions liées aux gays et lesbiennes.
Donc évidemment, on leur a dit, on peut le faire, en effet, c'est assez simple en termes de recherche, enfin simple, c'est aller vite, mais en tout cas, c'est faisable. Donc on est parti là-dedans, et concrètement, on part du principe que dans le football en général, amateur et pro, il y a 2 millions et quelques licenciés en France, vous savez simplement un joueur footballeur amateur gay. Un seul, Yoann Lemaire en l'occurrence, qui a écrit un bouquin d'ailleurs là-dessus très intéressant. Et vous avez apparemment aussi un joueur de foot pro qui serait gay, mais qui ne veut pas le dire et qui ne veut pas en parler directement. Donc sur 2 millions de joueurs, vous avez 2 sportifs homosexuels. Ce qui est un petit peu quand même parlant en soi. Et à côté de ça, vous avez donc un climat qui généralement est décrit comme assez homophobe, avec donc des supporters souvent qui ont des chants, des banderoles, des cris très parlants. Vous avez aussi des joueurs pros et des entraîneurs qui ont eu des propos dans les médias souvent assez discriminants. Et malgré ça, donc nous, en tant que chercheurs, on a constaté qu'il y avait finalement très peu de travaux scientifiques sur la question, sur le foot particulièrement. Des travaux, il y en a à l'étranger, beaucoup aux USA, Canada et en Angleterre, surtout auprès des joueurs et des supporters, mais en France, encore assez rare. Donc du coup, on a travaillé là-dessus donc, avec le Paris Footgay et donc Randstad, en se posant 3 questions de recherche. Alors, c'est beaucoup pour une enquête, mais en même temps, c'est intéressant, ça va vraiment viser le problème directement. Première question, quelles sont réellement les grandes discriminations dans le football ? Quels sont les problèmes ? Est-ce qu'on parle de racisme en premier lieu, d'homophobie, de sexisme ? Voilà. Quelles sont vraiment les principales discriminations ? Deuxième question, pourquoi les joueurs seraient-ils plus ou moins homophobes ? Et enfin, est-ce qu'un joueur de foot pro va pouvoir un jour, espérons récemment, faire son coming out ? Donc dire à toute l'équipe, voilà les gars, moi je suis donc gay et on peut quand même jouer ensemble. Est-ce que ça va arriver prochainement ? Est-ce que c'est juste possible ? Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé avec 13 clubs. Alors on a contacté tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et 2 clubs de CFA qui sont venus se rajouter à nos participants. Donc 13 clubs, vous avez l'AC Ajaccio, Bordeaux, Brest, Évian, Toulon-Gaillard, le Paris Saint-Germain, Saint-Étienne, Istres, Nantes, Auxerre, Niort, Caen, donc le Red Star et Boulogne. Il manque le Havre, monsieur le directeur. Ils ne sont pas là, donc on verra plus tard s'ils veulent participer dans une contre-enquête. 13 clubs, 121 joueurs professionnels, 123 joueurs en centre de formation et 113 sportifs tout venant. Donc ils font en fait office de groupe contrôle. Alors c'est compliqué parce que dans le football, il y a beaucoup d'étrangers. Donc déjà, on se prive d'une grande partie des joueurs, donc 121 joueurs. On avait visé 100 joueurs maximum, on a dépassé notre objectif, on était ravis. Hein. Vraiment, c'était plus que ce qu'on espérait. Et 13 clubs, finalement, sur Ligue 1, Ligue 2, c'est vraiment aussi un quota intéressant. On a déjà un panel, disons, assez intéressant en termes statistiques. Alors, comment est-ce que l'on a travaillé ? On peut travailler différemment, on peut travailler par entretien, en observation ou par questionnaire. C'est ce qu'on a donc voulu faire, travailler par questionnaire pour avoir, disons, des réponses assez concrètes et surtout globales et qu'on puisse travailler en termes statistiques. On travaille donc sur 5 formes de discrimination. La première donc liée aux homosexuels. La deuxième liée donc aux pauvres généralement, toutes les questions économiques. Une troisième question liée au racisme moderne. Le sexisme, en quatrième point. Et enfin, les questions liées donc, aux personnes âgées, qu'on appelle l'âgisme en psychologie. Donc chaque joueur donc, avait ces questions-là. Il y a en tout une 40aine de questions. Ils répondent de 1 à 5 et plus ils vont répondre de façon donc, élevée, donc proche de 5, plus ils auront donc des pensées discriminantes ou du moins négatives envers telle discrimination. Alors, passons aux résultats directement. Premier constat. Ce que l'on voit assez facilement. Donc vous avez en bas donc le graphique donc, qui représente donc les résultats donc, des joueurs du groupe contrôle, des joueurs pro et des joueurs en centre de formation. Le premier constat, c'est que ce qui vient en premier lieu, c'est l'homophobie. C'est la thématique qui, pour les joueurs, arrive de façon plus discriminante, concrètement. Le problème se situe ici. C'est le cas, en plus, en termes statistiques. Donc vous avez donc des sportifs pro et en centre de formation qui sont plus homophobes et sexistes que les sportifs tout venant. Deuxième point, l'homophobie est la seule opinion négative. Donc les scores vont entre 1 et 5. On considère qu'au-dessus de 3,
Donc leur pensée reflète une pensée négative. Donc on est à 2,99, on est quasiment à 3 pour les sportifs pros, on est à 3,3 pour les centres d'information. Et ce score-là donc, correspond aux pensées envers les gays et les lesbiennes. Et je vous le dis très, très, très franchement, le problème c'est envers les gays. Les lesbiennes, ils s'en moquent totalement, ils ont des réponses tout à fait tolérantes ou normales comparées à un groupe contrôle. Par contre, les gays, leur score est très très élevé. Du coup, si on prend en compte que leur réponse envers les gays, on monte à 41% de réponses négatives. Alors, je ne dis pas que 41% des joueurs sont homophobes, c'est compliqué de savoir qui est ou pas est homophobe. En revanche, je peux vous dire que 41% des joueurs ont des pensées plutôt négatives envers les gays. Et on monte à 50% chez les jeunes en centre de formation. Donc 1 sur 2. Donc dans un climat aussi hostile, il est bien compliqué d'avoir un joueur qui va vous dire « Eh bien moi les gars, je suis homosexuel. » Parce qu'il va percevoir très vite que quasiment tout le groupe va être contre lui. Et du coup la norme va se créer donc, de telle façon. Deuxième constat, qui pour nous, est, enfin moi en tant que psy, donc, est vraiment très inquiétante, c'est que les centres de formation sont vraiment des environnements très particuliers et les jeunes qu'on a interrogés étaient quasiment plus intolérants sur toutes les discriminations comparativement au groupe contrôle. Ils étaient plus intolérants envers les homosexuels, envers les femmes, envers les personnes âgées et envers les pauvres. Sur 4 thématiques interrogées, 5 pardon, interrogées, vous en avez 4 qui donc sont plus importantes que les autres. Donc il y a vraiment un climat chez les jeunes très négatif et qui vraiment voilà, est symptomatique d'un environnement cloisonné, difficile et qui est intolérant dans le sens général du terme. En déclaratif, après ça peut être différent dans les faits, mais en déclaratif, leurs pensées exprimées sont vraiment très négatives et vraiment très intolérantes. Donc le graphique qui est en bas, donc en bleu, donc, représente donc, les pensées donc, envers les gays spécifiquement. Donc pareil, donc, vous avez donc, 50% qui sont donc, négatifs. Vous en avez 32%, je ne vois pas très bien d'ici, il me semble, voilà, qui ont donc des pensées, on va dire, ambiguës. Donc, je ne sais pas trop, c'est ni oui ni non, je ne prends pas trop parti. Et vous en avez qu'à la fin, il vous reste 18% de jeunes joueurs qui donc, ont des pensées positives. Ça n'est même pas 2 joueurs sur 10, donc c'est vraiment très très faible. Le troisième constat que l'on fait, donc en cherchant donc à expliquer donc ces phénomènes-là, donc on veut trouver les causes, forcément, c'est intéressant pour pouvoir justement proposer après des actions concrètes et qui soient le plus efficaces possible. On a trouvé beaucoup de facteurs en lien donc avec cette forme d'intolérance. Le premier, c'est que la norme concrètement, la norme perçue et la norme réelle dans les équipes et surtout dans les centres d'information, elle est homophobe, ou du moins elle est négative envers les homosexuels. Il n'y a pas de tolérance à leur égard. Et entre joueurs, dans un petit groupe, on va chercher à être comme tout le monde, conformiste, et du coup, on va travailler ça directement. Et on va l'entretenir, et on va perdurer là-dedans. Et comme les coachs, en l'occurrence, entraîneurs, n'ont là-dessus aucun discours, aucun dialogue, eh ben, il est bien compliqué de demander aux jeunes d'être tolérants si on ne leur dit pas comment faire et pourquoi. Donc du coup, ça n'avance pas. Vous avez 80% des joueurs là, pros qui n'ont dans leur entourage amical, familial, aucun homosexuel. Ils ne connaissent pas dans leur entourage proche de personnes homosexuelles. Évidemment, pas de miracle, on n'a eu aucun joueur gay dans la quête qui s'est déclaré quand on est venu les voir. Il y a une méconnaissance générale donc, liée aux stéréotypes et préjugés envers les homosexuels de la part des footballeurs. Vous avez évidemment toutes les questions liées au masculin qui sont importantes dans ces structures-là, où les jeunes garçons cherchent à être virils, forts, etc., musclés. Ça, je pense que Philippe, là-dessus, tu pourras intervenir. Les douches, évidemment. C'est un petit peu le problème, ça renvoie évidemment à un tas d'images, et pour eux, se doucher avec quelqu'un donc, qui peut être gay et donc éventuellement être à leur égard, on va dire, dans le désir, c'est très compliqué. Et surtout, à mon sens, un des problèmes principaux, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Vraiment, c'est un tabou pour les gens, ils vous le disent comme tel, hein. Oui, c'est un tabou, on n'en parle pas. Donc du coup, pas de tabou, pas d'échange, on n'avance pas, la situation reste bloquée. Et à tout ça, on peut rajouter éventuellement, ce qu'on n'a pas nous mesuré directement, mais on peut... Je pense quand même le rajouter, donc un contexte sociologique assez difficile et avec donc des joueurs souvent avec des caractères aussi très, très, très durs et pas forcément donc tolérants dans leur ensemble.
Voilà, alors pour la question de fin, est-ce qu'un joueur de foot demande peut faire son coming out? Je vais vous répondre simplement, il me semble que dans le football professionnel, ça peut être envisageable. Ça a été le cas à l'étranger, ça a été le cas en Suède, en Angleterre, aux USA. Ça peut arriver, non sans conséquences pour lui, mais ça peut arriver. En tous les cas, c'est une question qui va être compliquée à gérer. On pose l'hypothèse que donc, si un joueur donc, de foot fait son coming out, donc on le devient rose là, dans le petit graphique, vous allez avoir les joueurs qui sont très négatifs en bleu qui vont se rapprocher, forcément. Et ils vont se lier contre lui et monter un petit peu l'équipe contre lui généralement, dans une espèce de dynamique de groupe assez classique. La question est, qu'est-ce que vont faire ceux qui sont neutres ou qui sont plutôt positifs? À ça, il va falloir forcément que l'entraîneur agisse. C'est obligatoire. S'il ne fait rien, son groupe, il explose, ou le joueur homosexuel va devoir partir. C'est obligatoire. Donc, pour ça, il faut forcément que l'entraîneur interviennent. Sans lui, ça ne pourra pas avancer, vraiment. Et pour les centres de formation, en l'état actuel, je ne conseillerais pas à un jeune joueur de 15-16 ans de dire à ses collègues qu'il est gay, vraiment. Je lui dirais, attends un petit peu, on va travailler ça, mais attends un petit peu, vraiment. C'est trop compliqué, le terrain est vraiment trop difficile. Voilà, donc pour ce qui est des actions et donc de ce qu'on peut voir après, on verra peut-être, je pense, tout à l'heure. Voilà, on garde, là c'est juste pour la technique, on va garder ce slide-là sous le coude, on va repasser en captation vidéo, on viendra vous revoir Anthony Miette, on va venir vous revoir Christelle Foucault, mais on va faire justement un enchaînement avec un témoignage de terrain. C'est pas du football, c'est du tennis de table. Il est avec nous aujourd'hui et on le remercie. Il s'agit d'Edouard. Alors on parlait justement, vous recommandiez aux jeunes de 15-16 ans de ne pas avouer leur... Leur nature, ni plus ni moins. Alors, Edouard, vous êtes pongiste. Vous aviez une vraie belle carrière de pongiste devant vous. Et vous avez été victime d'homophobie de la part de vos petits camarades. Enfin, oui. Si on peut les appeler comme ça, petits camarades. Alors, juste nous dire, les faits remontent à quand, puisque vous faisiez partie d'un club et vous avez ensuite changé de club. Alors voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez malheureusement vécu? Bah, j'ai vécu beaucoup d'homophobie. Par exemple, il y a un de mes camarades qui ramenait un magazine érotique et hétérosexuel. Et moi, j'étais très, très, très gênée. Donc, il m'a demandé si j'étais PD. Donc, je lui ai dit oui. Et là, ça a commencé le calvaire un peu insurmontable dans le sens où... il voulait plus moi dans l'équipe. Et donc j'ai dû partir. Réaction de l'encadrement à ce moment-là? Soutien, pas soutien, rien du tout? J'ai été en parler à mon entraîneuse quand même. Et elle m'a dit, non, c'est que des paroles de gamin, ça va passer. Donc vous changez de club, Edouard? Oui, je change de club et rebelote. Hein. Et je suis de nouveau victime d'homophobie. Comme moi, je ne me cache pas de mon homosexualité, ils découvrent très vite mes couleurs, tout ça. J'aime le rose, ça y est, il est gay. Beaucoup de stigmatisation. Et je commence à... On me met dans les compètes directement. Donc je suis obligée d'avoir un entraînement très assidu. Avec une équipe, pareil. Je suis nommé capitaine et je vais avoir beaucoup d'insultes assez désagréables, genre, de toute façon, on sait très bien que le tennis de table, c'est un sport de tapette et que les tapettes viennent au tennis de table parce que c'est plus facile pour elles. Et... qu'est-ce qu'il y aurait à dire d'autre? Aux entraînements, j'ai arrêté d'y aller, donc ça devenait aussi insupportable. Donc j'ai dû quitter encore ce club. Oui, quand je dis que vous avez quitté d'un club, vous êtes passé à un deuxième. Voilà. Il y a eu 4 ans quand même entre les deux. Ah oui, vous vous êtes posé pas mal de questions, savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. C'est ça, est-ce que j'y retourne? Parce que la pratique de votre sport, c'est quand même, c'était très important. Donc voilà, c'est le sport qui vous anime, vous voulez le pratiquer, vous faites une deuxième tentative, entre guillemets, qui se situe par un échec. Mais cette fois-ci, vous affichez clairement qui vous êtes. C'est-à-dire que là, mais malheureusement, là, encore pas de soutien de l'encadrement? Pas de soutien, non. Alors, est-ce que vous pratiquez toujours le sport et le tennis de table? Non. Du tout? Du tout.
Mais vous êtes appuyé, vous avez rejoint le bisport Rouen. J'ai rejoint un bisport parce qu'au moins je sais que je n'aurai pas de discrimination. Je pourrais parler de mon homosexualité sans préjugés, sans discrimination. Qui est une association qui fait partie du multisport rouennais LGBT. Hein, c'est ça. C'est très ça. Bien. Si vous voulez réintervenir plus tard, vous pourrez le faire. Vous avez toute attitude. En tout cas, Edouard, merci. Merci de votre témoignage. Je me tourne vers vous, Christelle. Alors, vous pouvez garder, hein, c'est toujours des messages subliminaux que je fais à la régie, vous pouvez garder le slide en réserve, on va repasser sur la captation vidéo, parce qu'on reviendra avec vous sur justement cette phase de conclusion qui est importante. Christelle Foucault, vous êtes la présidente de la Fédération sportive gay et lesbienne, une fédération qui existe maintenant depuis, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, un quart de siècle, et qui, dans les premières années de sa vie, va être essentiellement une fédération qui va permettre à ceux qui sont stigmatisés de pouvoir faire du sport entre eux. Pour désormais être en fait une association qui accueille un public beaucoup plus large. Et quand je dis plus large, c'est aussi avec des personnes victimes d'autres discriminations, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi d'homophobie. Explication donc peut-être dans un premier temps du fonctionnement et du rôle de votre fédération qui compte actuellement, je crois, 45 associations sportives en son sein. Et puis aussi du travail, parce que vous collaborez, vous travaillez avec le ministère pour intervenir sur le terrain, notamment sous forme de sensibilisation et de formation. Donc ça aussi, c'est important. Donc on vous écoute. En fait, je pense que le témoignage d'Edouard. C'est ça, illustre bien la raison d'être en fait, de la Fédération sportive gay et lesbienne. D'ailleurs, Bisport Rouen est affilié à la Fédération sportive gay et lesbienne depuis peu. Voilà, c'est ça le problème, en fait. Et la solution, c'est à la fois le problème, c'est ce que vient d'évoquer Edouard. La solution, c'est les clubs affiliés à la FSGL qui proposent une alternative à la pratique sportive. C'est l'histoire même de la FSGL, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est née en 1986 exactement, en réponse à une homophobie présente, avérée dans les clubs sportifs traditionnels, où à un certain moment, vous faites le constat, vous n'êtes pas le bienvenu, on vous fait sentir votre différence. Même si vous essayez de la cacher, à un moment donné, il y a une vie sociale autour d'un club de sport. Donc, soit vous mentez tout le temps en prétextant un copain, une copine du sexe opposé pour donner le change, soit effectivement vous êtes honnête et très vite, dans les années 80 en tout cas, on vous fait sentir que vous n'avez pas votre place au sein du club. Donc un certain nombre de gens ont pris cette initiative de créer des groupes sportifs alternatif, puisqu'on pourrait présenter ça comme ça, c'était les années associatives des années 80 où effectivement beaucoup d'associations sont nées à cette époque-là, pour proposer une solution, une pratique sportive un peu plus sereine à des personnes qui se sentaient mal reçues parce que discriminées effectivement en fonction de leur orientation sexuelle, c'est l'objet de la Fédération sportive gay et lesbienne, mais discriminées pour tout un tas de raisons qui ont été évoquées précédemment, parce qu'on est différent, parce qu'on n'est pas aussi compétitif que ses camarades, parce que dans le milieu du sport traditionnel, c'est la compétition surtout, beaucoup, qui est mise en avant. Très peu la pratique, le bien-être, juste l'échange, juste être là et partager un moment convivial. Encore une fois, dans le monde du sport traditionnel, ça n'a pas toujours sa place. Et ces clubs-là qui se sont créés, donc qui représentent effectivement plus de 40 associations aujourd'hui sur le territoire national, essaient de faire tomber un peu ces clichés, essaient de favoriser le vivre ensemble qui est pourtant assez en mode en ce moment, mais qui, dans les faits et dans la réalité des clubs traditionnels, est loin d'être une règle. Et aujourd'hui, tout le monde est accepté dans ces clubs-là, quelle que soit l'orientation sexuelle, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout exclusifs. C'est une fédération, certes, qui s'appelle sportive, gay et lesbienne, parce que son histoire est constituée d'associations LGBT, donc qui ont voulu promouvoir à un moment donné le sport pour des homosexuels parce qu'ils étaient discriminés, mais qui, comme vous l'avez dit au fil du temps, c'est bien évidemment métissé, développé, parce que les frères et sœurs, parce que les amis, parce que la proximité du gymnase où avait lieu l'entraînement de squash favorisait le fait qu'on adhère à ce club-là et plus qu'à un autre. Donc aujourd'hui, la population de la fédération n'est pas exclusivement homosexuelle, elle l'est majoritairement néanmoins, parce qu'effectivement, comme l'a dit Edouard encore une fois, c'est une solution pour un certain nombre de gens. Nos actions aujourd'hui, effectivement, on essaie de faire passer ce message-là de sensibilisation auprès du monde du sport de manière générale.
Nos associations sont d'ailleurs affiliées, dans la plupart des cas, à leur fédération de tutelle, c'est-à-dire que le club de... on va prendre softball est affilié à la fédération de softball, le club de foot à la fédération de foot et joue dans le championnat de ligue, etc. Donc il n'y a vraiment pas de communautarisme comme on peut nous le reprocher parfois. C'est vraiment une activité sportive ouverte à tous et qui essaie de faire changer le regard, mais justement en se mélangeant et en provoquant la rencontre. Donc ça, c'est une grande évolution aussi qui a eu lieu au cours des 25 ans. Et donc on travaille avec le ministère des Sports aussi dans ce cadre-là. On faisait partie de l'ex-comité de lutte contre les discriminations qui vient d'être remplacé par le Conseil national du sport. Pour la petite histoire, je suis à l'origine du clip qui vient d'être diffusé, parce que c'est un cas effectivement réel qui nous avait été remonté. En l'occurrence, c'était une équipe de volleyball, et le scénario a un petit peu changé, mais le cas réel, c'est une équipe de volleyball qui se retrouve dans le championnat de FSGT, dans un gymnase où il y avait des travaux dans le gymnase à ce moment-là. Et il y avait un seul vestiaire qui était disponible pour les deux équipes. Et donc les deux équipes se retrouvent dans le même vestiaire. Donc une des deux équipes est membre de la FSGL et donc se voit interrogée sur l'origine du nom de l'équipe, etc. Et effectivement, quand elles ont présenté le club comme étant un club LGBT, les adversaires ont changé et ont préféré se changer au milieu du gymnase que de rester dans le même vestiaire. Donc voilà pourquoi ça existe encore. Mon souhait, c'est effectivement, évidemment... Enfin non, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais si la Fédération sportive gay-lesbienne n'avait pas de raison d'être, j'en serais ravie, parce que ça voudrait dire que tout un chacun serait bien accueilli dans tous les clubs sportifs, quelle que soit sa différence, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa couleur de peau, son origine. Si je n'avais plus de raison de mener un combat, j'en serais la première ravie. Avec aussi une signature d'une charte contre l'homophobie, puisque vous parliez de travailler avec le ministère, puis après on viendra vous revoir, Anthony. Mais ça pourrait faire partie, c'est à la fois une bonne chose et en même temps une piste d'action qu'on doit garder en tête, parce qu'effectivement, la signature de la charte contre l'homophobie a fait beaucoup de bruit, elle a été très médiatisée, elle était initiée par le Paris Foot Gay d'ailleurs à l'époque, qui a été reprise par Ramayat, qui a été reprise par Chantal Jouanneau ensuite au ministère des Sports. Qu'il avait mis en condition de la signature des conventions avec les fédérations sportives. Donc bien sûr, quand vous mettez effectivement une carotte en disant on vous donnera votre subvention si vous signez la charte, là effectivement toutes les fédérations signent. Donc il faut quand même être clair sur le contexte dans lequel cette charte a été signée. Le problème, c'est quid aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend des fédérations aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement pour montrer leur engagement contre la lutte ? Enfin, pour la lutte et contre les discriminations dans le sport. Est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation qui sont faites au sein des fédérations ? On n'a pas de retour. Est-ce qu'il y a des sanctions qui ont été votées par les conseils de discipline ou autres ? On ne sait pas. Donc il y a une vraie problématique et ça reste un des axes de développement et quelque chose à améliorer. Les sanctions aujourd'hui pour des propos homophobes ou pour des actes de violence au sein d'un événement sportif sont disproportionnées par rapport à ce qui se pratique par exemple aux États-Unis, mais par rapport à ce qui se pratique sur d'autres thématiques, ne serait-ce que le racisme en France. Quand on entend Tony Parker traiter ses coéquipiers de tapettes en voulant dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur, il n'y a eu aucune sanction. Anthony Maître, on revient maintenant sur les préconisations, parce que oui, on est aussi là, c'est le but du colloque, pour amener des pistes, et on l'espère, des solutions le plus tôt possible. Et ensuite, bien sûr, échange avec vous sur cette première thématique sur l'homophobie. Anthony Maître. Alors, à mon sens, la principale action à mener aujourd'hui, qui sera vraiment, je pense... Donc on va revenir sur le PowerPoint. Très importante, ce sera la formation des entraîneurs. Il n'y a rien pour l'instant dans la formation des entraîneurs qui parle de discrimination. Il n'y a absolument rien. Jamais. Et ils n'ont pas d'idée sur la question, ils n'ont pas de chiffres et pas de méthode pour vraiment agir sur le terrain pour résoudre des problèmes. Ils n'ont absolument rien. On leur dit plein de choses en conférence, etc., mais ils n'ont rien en formation. Et le problème, c'est que les formations d'entraîneurs sont gérées par les fédérations. Et les fédérations font un petit peu ce qu'elles veulent. Pour être très concret, du moins en foot c'est le cas, la fédération de foot, elle propose des formations, on peut parler du niveau des formations d'entraîneurs de foot, c'est pas un problème, mais qui ne sont axées que sur la technique et la tactique footballistique. Il n'y a rien sur la psychologie ou sur la discrimination en tant que telle, absolument rien. Donc si à la base les référents pédagogiques et d'autorité n'ont pas eux-mêmes en bas de là-dessus une perception de la chose concrète ou d'idées concrètes, on ne pourra rien faire, vraiment. On peut en parler, c'est toujours très bien,
Mais l'action première et véritable, c'est la formation des entraîneurs, éducateurs et animateurs sportifs. Autre point sur lequel on peut travailler ? En parler, vraiment. En parler. C'est un tabou concrètement dans le foot et dans, je pense, beaucoup de sports. Hein. Dans le rugby, parce que je suis psy, donc pour un club de rugby, concrètement, c'est un tabou aussi réel. Il y a plein de rumeurs sur plein de rugbyman, footballeurs pro qui seraient éventuellement en couple, etc. Tout le monde connaît les rumeurs. Déjà, rien que le mot rumeur, c'est discriminant. Absolument. Donc, c'est pas ça contre vous. Hein. Je dis pas, on utilise des langages et parfois, voilà, c'est la réalité. Oui, je voulais peut-être revenir sur ce que vient de dire Anthony sur les formations. Alors, il n'y a peut-être rien d'officiel ou de général. En revanche, il y a la possibilité de mettre en place, et ça, bon, les gens qui sont dans le monde sportif le savent, de mettre en place des formations au plan local. Notamment, je suis intervenu dans le cadre de la formation des brevets d'état sportif football en Languedoc-Roussillon, où c'est le CTR, c'est le conseil technique régional, qui avait décidé de faire une formation spécifique. Alors, bien sûr, c'est à la place d'autre chose, ou c'est peut-être en plus, mais c'est un choix qui a été fait par une personne qui avait la volonté, justement, de réfléchir sur les violences de façon globale, mais en intégrant les questions, notamment d'homophobie et de racisme. Donc, c'est possible. On vient vous revoir dans un instant. Christelle, vous voulez rapporter peut-être aussi sur les actions qu'on peut mener, puis on va voir tout de suite après l'Assemblée. Donc, on va avoir un peu de lumière sur vous pour que vous puissiez vous distinguer, qu'on vous apporte le micro. Non, mais juste rejoindre effectivement l'importance de la formation, c'est évident. Ça faisait partie aussi du plan d'action gouvernemental, en l'occurrence du comité de lutte contre les discriminations. On y compte beaucoup parce que c'est effectivement le rôle des entraîneurs, comme l'a dit Anthony dans son enquête. Si l'entraîneur ne prend pas le relais pour défendre quelqu'un qui est discriminé, qui est victime de propos discriminatoires, personne ne va le faire. Donc on avait essayé d'initier ça, de former les formateurs, de formateurs, et que ça descende comme ça. Bon, voilà, c'est un peu en panne, en fait, en ce moment. Il y avait une formation qui était prévue au niveau national d'entraîneurs cette année, organisée par le ministère des Sports. La formation a été annulée, faute de candidats. Réaction, questions, témoignages. Je me tourne vers vous. Mes collègues vont pas tarder à vous amener le micro. N'hésitez pas à je descends, parce que sinon j'ai les bourgeois, à lever la main pour réagir sur cette première thématique qui est celle de l'homophobie, puisqu'on a, vous l'avez compris, une table ronde qui aura deux autres thématiques qui viendront compléter nos propos. Donc n'hésitez pas, levez la main dès que vous le sentez, dès que vous avez envie. Le micro vient vous voir. Monsieur, donc monsieur là-bas. J'ai vu monsieur là-bas. Et n'hésitez pas au fur et à mesure, comme ça on va essayer de continuer à lever la main, c'est pour qu'on vous repère bien. Si vous souhaitez vous présenter, vous le faites, il n'y a pas d'obligation. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir, levez déjà la main, on aura la possibilité de vous passer le micro. Voilà, il y a madame qui se trouve sur... Laissez la main. Je vous en prie, monsieur, c'est à vous. On écoute votre réaction ou votre question. Oui, bonjour, Gilles Fouache, conseiller technique et du football. Je suis aussi entraîneur de l'équipe de France des 19 ans, entraîneur adjoint. Et je voulais simplement réagir aux derniers propos qui ont eu lieu, puisque sur la Ligue de Normandie, je fais partie des cadres qui intervenons sur la formation de tous les entraîneurs, du premier diplôme jusqu'au dernier. Et aujourd'hui, résumer la formation de nos entraîneurs simplement à l'aspect technique et tactique, c'est légèrement réducteur, car dans nos contenus de formation, la première journée est destinée à la formation éducative de nos entraîneurs envers nos jeunes. Et donc, il y a 32 heures qui sont consacrées sur 4 jours à ce domaine-là, avant même de parler de la connaissance du foot, avant même de parler technique, avant même de parler tactique. Donc bien sûr, je vous rejoins sur la plupart des choses qui ont été dites depuis le départ, et je suis assez d'accord qu'il y a encore des problèmes de discrimination dans notre sport. Je suis moi-même un joueur qui suis passé par un centre de formation pendant plusieurs années, et puis joué à un certain niveau. Maintenant au niveau fédéral, et puis maintenant depuis 5 ans avec les équipes de France de jeunes que j'ai suivies sur différents championnats. Et aujourd'hui, je pense que la fédération a fait énormément d'efforts justement dans la formation de ses entraîneurs. Il y a 32 heures consacrées aussi à l'arbitrage, par exemple, parce qu'il y avait aussi de la discrimination envers les arbitres. Oui. 32 heures qui sont consacrées simplement aux projets associatifs et éducatifs. Donc c'est simplement pour ne pas réduire la formation de nos entraîneurs, simplement sur les aspects techniques et tactiques. Mais sachez que la fédération, la Ligue de Normandie et les districts concernés et tous les cadres techniques sont extrêmement vigilants pour passer des messages dans nos formations d'entraîneurs, même si au bout du compte c'est
d'essayer qu'ils soient le plus performants possible dans les domaines que vous avez cités, mais sachez bien que l'on en tient compte et que l'on en parle de plus en plus. On entend votre message, restez debout un instant. Est-ce que vous avez été témoin de retour d'expérience de jeunes pratiquant le football qui seront déclarés gays? Est-ce que vous avez... Je crois que sur l'homophobie, c'est un sujet très récent, très neuf. Et sur toutes les autres discriminations, on en parle beaucoup. Sur le sujet de l'homophobie, j'ai l'impression que dans le football, c'est vrai qu'on en parle, très peu, parce que j'ai l'impression que c'est une discrimination qu'on parle un peu plus récemment que les autres. Donc voilà, sachez que nous, on a une commission citoyenne aussi et qu'on agit envers prochainement sur Le Havre avec la ville du Havre. On fait un tournoi de football où il y aura des malvoyants, des malentendants, des joueurs de foot en fauteuil, des déficients mentaux, des joueurs valides, et tous ces gens-là seront mélangés. Donc le football fait aussi énormément envers toutes ces publics. J'entends bien que vous défendiez votre sport de prédilection. Vous avez raison d'insister sur le club du Havre, notamment des malvoyants, qui est, je crois, parmi les meilleurs clubs de France. On ne voulait pas dire sont meilleurs, sont pas meilleurs, mais ça, bon, on peut le souligner. Madame, je vous en prie, votre intervention, et vous réagissez quand vous le souhaitez. Je vous en prie, madame. Bonjour, je suis... Mettez bien le micro. Je suis Evelyne Ambron, je suis professeure de PS, mais j'interviens en tant que maman. Ma fille, l'année dernière, elle a voulu faire du rugby, et elle s'est retrouvée dans une équipe avec des garçons. Et elle a tenu quelques mois et elle a arrêté parce qu'on ne lui passait pas le ballon. Et j'ai essayé d'intervenir auprès des éducateurs pour dire que c'était à eux de faire quelque chose pour que les enfants l'acceptent. Et ils n'ont pas su réagir. Et... Dites-moi, madame, c'est une très bonne question pour la deuxième table ronde, ça. On la garde sous le coup, non, vous avez raison de réagir. On la gardera effectivement pour réagir. Je vous en prie, Christelle. Ceci dit, ça me permet de rebondir quand même sur effectivement le caractère discriminant présupposé. Alors moi, je fais le lien par rapport à l'homophobie, mais c'est pas parce qu'on est un garçon qui veut faire un sport pratiqué habituellement par les filles qu'on est homosexuel et vice-versa. Il y avait un reportage il y a pas longtemps. Enfin, je veux pas rentrer sur le terrain du sociologue là-dessus, mais c'est juste parce que ça fait partie des clichés véhiculés et que ça fait partie aussi d'une homophobie qui n'est pas forcément avérée. C'est-à-dire qu'on va on va qualifier quelqu'un de PD tapette parce qu'il a envie de faire de la natation synchronisée. J'ai des copains qui font de la natation synchronisée et qui sont pas homo. J'ai des copains qui font du patinage artistique, qui sont pas homo, et pourtant ils vont se recevoir ou essuyer mais un certain nombre d'insultes justement homophobes parce que préjugés, parce qu'il y a des préjugés et des stéréotypes sur la pratique sportive. Et donc juste pour dire qu'effectivement on peut être victime de propos discriminants racistes. Alors, en général, quand on vous tient des propos racistes, c'est en général par rapport à votre couleur de peau, donc c'est difficile de le cacher. Mais parfois, on reçoit des propos discriminants homophobes, alors que non, c'est pas parce qu'on a des manières différentes de la majorité, c'est pas parce qu'on porte du rose qu'on est forcément homosexuel, mais ça veut pas dire qu'on n'en est pas victime pour autant. Merci. Monsieur Debout, et je pense que c'est un autre monsieur qui est assis après. Monsieur Debout d'abord. Alors, monsieur Debout, c'est monsieur Leblanc. Monsieur Debout, hein, c'est pas monsieur qui s'appelle Debout. Hein. À la direction régionale jeunesse et sport de Haute-Normandie, donc à deux pas d'ici. Et je travaille également avec le conseiller technique régional de football en ce qui concerne la lutte contre la violence et les incivilités dans le sport. Alors la première remarque que je voudrais faire, pas par rapport au football, mais par rapport à tous les sports en général, c'est qu'on peut se poser d'ailleurs pour la population totale. Quelle est la vraie sexualité normale en France, en Europe ou dans le monde? Je crois qu'il n'y en a pas. C'est la première chose qu'il va falloir noter. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir une sexualité plus normale que mon voisin ou ma voisine. Donc, de classifier les gens en tapette d'un côté ou en gouine, excusez-moi d'être vulgaire volontairement, de l'autre, je trouve ça, aujourd'hui, en 2013, un peu simpliste, excusez-moi. Mais je voulais commencer par là. Et je pense que la meilleure façon, à mon avis, de lutter contre le fléau qui est l'homophobie, parce qu'elle existe encore, ça je vous rejoins tout à fait, c'est de lutter de l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème, et je suis bien placé pour le savoir, parce que vous avez peut-être remarqué, je suis un peu chauve depuis une trentaine d'années. Et quand j'ai perdu mes cheveux, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas la mode. Donc j'avais deux solutions, ou j'achetais une perruque et puis je me planquais,
ou je restais chauve et je luttais. Et j'ai préféré la deuxième solution. Et je crois que dans le problème de l'homophobie aujourd'hui, le meilleur moyen de lutter contre ce fléau, c'est de rester à l'intérieur des clubs et de prouver que sa sexualité, elle est aussi bonne que celle du voisin, parce que dans celle du voisin, il y a certainement des choses à redire. Voilà, c'était ma petite réflexion personnelle. Merci. Merci, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, je vous en prie. Allô ? Oui. Bonjour, j'aurais une question, en fait, moi. Est-ce que vous ne voulez pas vous lever ? C'est juste pour la caméra. C'est oui, je peux me lever. Allez-y. Voilà, c'est super. J'aurais une question, en fait, à propos des différences entre hommes et femmes dans le sport. Parce que actuellement, les hommes et les femmes sont séparés dans les sports collectifs, par exemple, la plupart du temps. Et je me demande, parce que là, concrètement, la personne qui est intervenue, elle a inscrit sa fille dans un club où il y avait des hommes et des femmes indifféremment. Est-ce que c'est une vraie question. Est-ce que c'est réellement possible de jouer avec les hommes et les femmes ou de faire des sports de combat, par exemple, mélangés parce qu'il y a... Je pense pas me tromper qu'en disant qu'il y a quand même certaines différences physiologiques entre les hommes et les femmes, pas forcément très marquées mais présentes. Et à quel point est-ce que c'est possible de mélanger hommes et femmes dans des sports, je pense notamment aux sports de combat parce que je suis pratiquant, dans la compétition ou au niveau amateur? C'est une question que je pose aux intervenants. Qui concerne aussi l'autre table ronde, on est bien d'accord. Christelle. Moi, je vais répondre au niveau de la pratique qui a lieu au sein de la Fédération sportive gay et lesbienne et d'autres organisations de ce type, parce que c'est une pratique qui n'est pas forcément compétitive, tristive. En tout cas, donc, ça dépend de quel niveau de pratique on parle. Si effectivement les fédérations sportives françaises pour prétendre à un classement et à des records, etc., il faut effectivement répondre aux normes de la fédération qui sont que si vous êtes un homme et que vous concourez dans le 100 mètres, vous allez concourir avec les hommes. Il y a des règles, effectivement, il y a un code du sport qui fait que... Mais il y a des pratiques alternatives. Donc, en l'occurrence, moi, je parle de ce qu'on pratique au sein de la FSGL, où vous avez un club de rugby qui s'appelle les Gaillards Parisiens à Paris, où les garçons et les filles jouent ensemble. On a la même chose au softball. On va avoir ce type de pratique possible, où vous pouvez avoir des rencontres, mais qui vont être des rencontres loisirs. C'est-à-dire que c'est pas, vous serez pas, vos records ne seront pas enregistrés, vous ne serez pas classé dans un championnat national, régional ou départemental, parce que vous n'êtes pas dans le cadre normal de la Ligue. Mais par contre, toute pratique est possible. Merci. Philippe Thiotard, et puis comme je vois qu'il y a des questions qui sont déjà sur l'autre table ronde, on enchaînera après avec l'autre table ronde, mais je m'appuierai sur quelqu'un, je crois, dans l'assistance pour faire la transition. Philippe Thiotard. Je reviens tout de suite sur ce qu'a dit Christelle, les pratiques loisirs, et alors c'est un terme que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que, à moins d'être professionnel et de faire du sport sans métier, toutes les pratiques sont de loisirs, même si elles sont compétitives. Et déjà, le fait de distinguer pratiques de loisirs et pratiques compétitives, alors que ce sont toutes des pratiques de loisirs qui se font dans le cadre du temps libre, même si on le fait de façon intense, même si je vais m'entraîner tous les soirs en natation parce que je suis un nageur, ce que j'ai du mal à comprendre parfois, mais ça peut arriver d'être nageur. Non, je dis ça avec beaucoup d'amitié pour le vice-président de l'université qui est nageur, Didier Cholet. Donc, même si je suis nageur, que je vais nager tous les jours, et que je suis dans une logique de compétition, de performance, je suis dans le loisir. Et déjà, cette première distinction, c'est une forme de discrimination au sein même du sport, entre le vrai sport et l'autre, qui est loisir. Mais pour revenir à votre question sur les pratiques du sport, mais je pense que Catherine Louveau prépare sa réponse déjà. Oui, elle a pris des notes. Sur la possibilité de pratiquer ensemble. Alors, je suis très surpris que ça vienne d'un combattant, parce que, ayant fait moi-même du judo, j'ai appris dans le judo, contrairement à ce que je faisais dans le football, que dans le judo, on pouvait pratiquer ensemble, quelle que soit la catégorie de poids, quel que soit le niveau, et que je peux tirer avec une ceinture noire 3e dame, voire 6e dame, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des maîtres de très haut niveau. Pourquoi on peut tirer ensemble? Parce que leur but, ce n'est pas de me mettre sur le dos. Leur but, c'est de me faire travailler, c'est qu'on joue ensemble, c'est qu'on soit ensemble. Je peux tirer avec une fille. Mon but, ce n'est pas de montrer que je suis plus fort qu'elle, c'est que justement, on soit ensemble. Donc déjà, c'est quelque chose qui existe dans le combat, qui, au moins dans le judo, je ne connais pas d'autres sports, et qui finalement... montre que la question que vous posez est posée uniquement dans la perspective de s'affronter dans une logique, effectivement, de compétition, j'allais dire fédérale, mais avec, effectivement, des catégories de poids, des niveaux et des structurations de la pratique qui supposent l'élimination.
On va rallumer la salle un instant parce que je crois qu'il y a André Debruc qui doit se trouver dans la salle, qui est délégué défenseur des droits en charge des discriminations, qui a un petit mot à dire et qui nous fera une parfaite transition. Alors je vais vous donner ce micro-là, donc c'est juste pour dire à la technique que c'est mon micro de plateau. Un petit mot, ce qui nous permettra de faire la transition avec notre grosse table ronde ensuite, puisqu'il y aura quatre intervenants. Je vous en prie. Oui, rapidement dire ce qu'est le défenseur des droits, parce que je pense que c'est encore une institution mal connue, mais je vais dire pour sa défense que c'est une institution récente qui a à peine 2 ans. Mais néanmoins, elle vient, c'est le melting pot de plusieurs institutions qui, elles, sont très connues, le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la commission de déontologie, et surtout la HALDE. C'est pour ça que j'en parle et que j'appuie sur cet élément-là. Donc, désormais, il n'y a plus de HALDE depuis 2 ans. Ça surprend souvent les gens qui ne le savent pas. Actuellement, maintenant, c'est le défenseur des droits. Donc, vous pourrez trouver tout ça, l'histoire de l'institution, etc., sur le site Défenseur des droits sur Internet, d'ailleurs, qui est bien fait. Donc, je ne vais pas insister. Juste une liaison un petit peu avec ce qui a été dit auparavant. J'ai entendu ce jeune homme qui témoignait et je me dis qu'il aurait pu venir voir un défenseur des droits qui aurait peut-être fait le lien avec l'entraîneur. Parce qu'on a une mission d'écoute, une mission, on peut aller voir les gens et peut-être que avec, je rêve peut-être, hein, avec cet intitulé défenseur des droits, peut-être que cette négociation, dans certains cas, pourrait marcher. D'ailleurs, notre mission, elle est double. Elle est d'accueillir du public dans des entretiens privés, mais nous avons aussi une mission, et je suis d'accord avec monsieur, hein, j'ai oublié son nom, qui est très importante, une mission d'éducation, de transmission. Je pense que c'est comme ça aussi que les choses vont progresser, et j'y suis d'autant plus sensible à cette mission d'instruction, d'éducation, que je viens moi-même du monde de l'éducation. Voilà ce que je pouvais dire rapidement, mais je vous engage à regarder sur le site internet, puisqu'on n'a pas trop de temps. Merci. Merci Madame Debru. Sous les applaudissements également spontanés, nos deux premiers intervenants vont regagner leur place. Vous avez déjà entendu résonner son nom, donc elle va venir nous rejoindre, Catherine Nouveau. Catherine Nouveau, Stéphanie Mahué, Patrick Kahn et Patrick Mignon. Je vous invite à venir nous rejoindre pour la seconde table ronde. Et pendant que vous vous installez, je vais me diriger vers un autre témoin dans la salle. Je vais retourner sur le plateau. Je vous en prie, messieurs, dames, installez-vous. La caméra va venir se placer pour qu'on ait votre témoignage. Il s'agit d'un témoignage. Pendant que vous installez, monsieur, vous voyez comme ils sont... discute, allez-y, prenez place. Pour faire la transition justement avec cette nouvelle table ronde, notamment sur les thèmes de lutter contre le racisme, sur les discriminations bien sûr dans le sport, les discriminations entre les sexes, je vais me tourner vers un premier témoignage, c'est celui de Lala Ramanana, que je vous propose. Lala, vous intervenez au sein d'un club, celui de basket du Haut de Rouen, vous occupez des filles, elles sont... toujours, vous nous direz si elles sont toujours, en tout cas elles ont été victimes de stigmatisation. Alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce que vous avez fait ? Bonjour à tout le monde. Donc les Hauts-de-Rouen basket, comme son nom l'indique, viennent des Hauts-de-Rouen. Dans l'opinion publique, les Hauts-de-Rouen, qui donc sont comportés par des médias, portent des préjugés et des stéréotypes depuis de longues dates, depuis de longues années. Je m'amuse toujours à dire que je suis un Zucien, on est urbain sensible. J'ai habité 20 ans dans les quartiers chauds. Et donc, dans l'opinion publique, ça reste toujours cette image des Hauts-de-Rouen, de la banlieue, des quartiers chauds. Il se trouve que les Hauts-de-Rouen basket, dès le début, ont misé sur la pratique féminine, parce qu'il n'y avait aucune discipline sur le quartier pour les filles. Actuellement, en 2013, nous avons 82 filles. C'est des filles qui sont de gros gabarits, de couleur noire en général, à cause du parkage de la politique de la ville depuis 40 ans. Quand on arrive dans un tournoi, ça se sent directement ce pointage sur la différence.
Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, cette discrimination au niveau économique. C'est des assistés, et c'est généralement des enfants de chômeurs, et ça se sent à travers le match de basket. Je vais vous raconter l'histoire, l'anecdote, il y a 2 ans, où notre équipe Poussine, de 10 ans donc, monte en finale du département. Et parmi les supporters, se scandait « banane jaune ». Banane jaune, banane jaune, banane jaune. Alors, un de nos accompagnateurs est intervenu. Mais qu'est-ce que vous dites là? On ne comprend pas. Alors, il y a un des parents qui a dit, il faut arrêter les enfants parce que ça pourrait poser des problèmes. Mais les enfants étaient très secoués. On a perdu le match, d'ailleurs. Elles ont pleuré dans la voiture, peut-être à cause de la perte de match, mais elles étaient secouées. Et c'est cette image-là qui se répète un peu partout dès qu'on arrive, les Hauts-de-Rouen. Les Hauts-de-Rouen. Mais bon, heureusement, nous avons engrangé beaucoup de victoires. Donc, actuellement, les Hauts-de-Rouen sont connus, surtout chez les jeunes filles, de très bonne équipe. On est championne régionale en 13 ans, par exemple. Voilà un petit peu mon témoignage. Merci beaucoup de votre témoignage. Voilà, Ramanana. Merci. Catherine Louveau, nous sommes particulièrement heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors les autres aussi, hein, je ne suis pas en train de dire que, on va dire, je suis discriminant. Non, non. Mais pourquoi je dis ça? Parce que, bah, tout simplement, vous êtes, et ne vous vexez pas quand je dis ce mot-là, vous êtes la pionnière, en quelque sorte, sur toutes ces questions qu'on a déjà évoquées, qu'on va continuer d'évoquer avec vous, puisque depuis la fin des années 70, vous êtes totalement impliquée dans ces rapports sport et discrimination. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur en STAPS à l'Université de Paris Sud 11. Et avant que vous ne développiez, si vous êtes d'accord, 3 aspects concernant les inégalités et les discriminations, il est peut-être bon aussi de revenir. On a parlé de ces mots qui étaient discriminants. On ne sait pas d'ailleurs si on doit les évoquer ou pas, si on doit s'excuser quand on l'a dit ou pas. Mais il y a peut-être une explication à faire. C'est peut-être par ça qu'on peut commencer. Et puis après, on s'appuiera sur les 3 aspects qui vous paraissent 3 piliers incontournables. Oui, il y a effectivement quelques précisions à faire avec les mots qu'on utilise. Alors, je ne travaille pas sur les discriminations à proprement parler depuis la fin des années 70. Je travaille sur femmes, sexe, sport, masculin, féminin, pratique sportive. Bon, donc, le sport qu'on dit rassembleur est très inégalitaire. Et très souvent, on entend dire, et je l'ai encore entendu tout à l'heure, d'ailleurs, à propos de la mixité, on y reviendra, je pense, oui, mais quand même, nous sommes différents. Donc, nous ne pouvons pas être égaux. Alors, là, il faut préciser les termes quand même. C'est-à-dire que les différences ne s'opposent pas à l'égalité. Le contraire de différent, c'est semblable ou identique. Donc, nous sommes ou différents ou semblables. Nous pouvons être les deux, d'ailleurs, à mains égards. Et puis ensuite, nous sommes égaux ou inégaux. Et l'égalité, c'est une question de traitement. Par le droit, par exemple, c'est une question de considération, et donc l'égalité, elle est globalement politique, au sens très large. Alors, il y a encore un autre terme qu'il faut expliquer, c'est la parité. Beaucoup de gens veulent parler d'égalité, ils parlent de parité. Donc, la parité, concernant, par exemple, la question des femmes et des hommes dans les représentations des instances, par exemple, sportives ou autres, ça serait qu'il y ait la même proportion de femmes et d'hommes qu'il y a dans la population française, c'est-à-dire... On va arrondir 52-48, 52% de femmes, 50-50. Bon, voilà, c'est plus simple de le dire comme ça. Ensuite, sur la question des... Bon, les discriminations ont été définies, quoique la question des discriminations indirectes existe. Elles ne sont pas toutes directes, et c'est là où c'est beaucoup plus insidieux. Par exemple, les fonctionnements institutionnels peuvent produire de l'exclusion ou de l'auto-exclusion, et donc de la discrimination. Bon, mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Sur la question de sexe et genre aussi, je crois qu'il est bon de reprendre aussi ces termes-là parce que très souvent les deux sont donnés comme équivalents. Alors c'est très compliqué, mais le genre, ça n'est pas l'équivalent du mot sexe. On n'est pas de genre féminin, sauf dans la grammaire française, ou de genre masculin. La problématique de genre, c'est le fait que la masculinité, la féminité, et d'ailleurs on devrait dire les masculinités, féminités, sont des constructions sociales. Historique, donc. Et deuxièmement, le genre, ça implique une relation hiérarchique entre les sexes et qui est toujours en faveur du masculin. Ça, c'est la définition sur laquelle la majorité des chercheurs se sont mis d'accord, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est important de préciser, parce que la question d'opposition, par exemple, égalité, différence, est évidemment très problématique dans le sport.
Alors j'enchaîne sur les inégalités et discriminations donc on observe concernant les femmes et les hommes. Déjà, on l'a dit, le sport, il hiérarchise, il classe, mais historiquement, le sport, c'est l'école de la virilité, c'est l'apprentissage depuis le 19e siècle de Coubertin et d'autres, c'est l'apprentissage de la masculinité, de la virilité, et ça reste encore vrai. Alors, il y a plusieurs registres, donc, espaces dans le sport dans lesquels on peut repérer des inégalités et des discriminations. Il y a l'accès aux pratiques sportives. Alors, quelques exemples ont été donnés. Aujourd'hui, toutes les fédérations sont ouvertes, tous les règlements sont tombés. Historiquement, c'est une longue histoire, hein, on l'a pour partie écrite. Bref, les femmes peuvent tout faire, les petites filles peuvent tout faire, enfin, toutes les activités. En principe, les garçons aussi. Eh bien, l'exemple qu'a donné la dame à propos de sa fille qui fait du rugby montre en fait, elle montre plusieurs choses sur justement la mixité comme fausse bonne solution, mais elle montre aussi que ça ne va pas de soi qu'une fille aujourd'hui ait envie de faire du rugby. Ça ne va pas de soi qu'un garçon ait envie de faire de la GR, parce que quand on parle des uns, il faut évidemment parler des autres. Et on entend beaucoup dire dans les familles, chez les enseignants, à l'école, à la télévision, c'est pas un truc pour les filles, c'est pas un truc pour toi, mais tu vas pas faire ça, c'est un truc de garçon, mais t'es pas un garçon manqué. Enfin bref, toutes ces expressions qu'on entend dire à longueur de temps et qui évidemment sont très incorporées par les enfants dans les familles, via l'école et surtout dans le groupe de pairs, PAIRS, qui, dans ce domaine, c'est-à-dire celui de la conformité aux normes de féminité ou au contraire de la transgression, sont les pires. C'est-à-dire que les plus durs par rapport à ces jugements sont les pairs PAIRS. Donc l'accès aux pratiques sportives, aujourd'hui les femmes peuvent tout faire. On m'a dit, moi, mais vous voyez, tu vois bien, le foot, ça y est, en 98, ça y est, c'est un engouement pour les filles. Je ne sais pas si c'est un engouement, mais moins de 3% la Fédération française de football. Et ça fait des décennies que... ça fait 40 ans qu'elles y sont. Qu'est-ce qui se passe? Et dans beaucoup d'autres sports aussi. Je n'ai pas le temps de développer, bien sûr. Alors, les inégalités ou discriminations, elles peuvent tenir au mode de vie, aux conditions de vie, aux dimensions culturelles, sociales, historiques, mais elles tiennent aussi aux institutions. C'est très important de le dire. Par exemple, le saut à ski féminin n'arrivera aux Jeux Olympiques qu'en 2014 avec des arguments avant d'ordre soi-disant médical, comme à la fin du 19e siècle. On pourra y revenir si vous voulez. Deuxième niveau de discrimination et d'inégalité, le haut niveau, bien évidemment. Alors là, on ne peut pas développer tous les points sur lesquels les filles sont inégalement traitées ou dans lesquels elles sont discriminées, que ce soit les moyens d'entraînement, les conditions d'entraînement, les primes qu'elles touchent, à part au tennis, où là, c'est justement l'exception qui confirme la règle. Et puis, ce à quoi je tiens beaucoup, évidemment, enfin, je tiens beaucoup à le dire et à le rendre visible à chaque fois, c'est ce que j'ai appelé le procès de virilisation qui est fait aux sportives, c'est-à-dire que dès lors qu'elles sont extrêmement musclées, puissantes, performantes, etc., eh bien certaines sont soupçonnées de ne pas être de vraies femmes. Et vous savez comment les tests de féminité sont engagés dans le sport sur, je mets les guillemets, le doute visuel. C'est-à-dire que, visuellement, il y a des femmes qui ne ressemblent pas à des, entre guillemets, vraies femmes ou qui ont l'air d'être des hommes. Bref, Caster Semenya, aux Mondiaux 2009, a connu cette épreuve. Mais quand je dis une épreuve, c'est une violence considérable qui lui a été faite à elle et à beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, on pourra en reparler, le Comité international olympique qui avait supprimé les contrôles de féminité pour les sportives est en train, mine de rien, de les restaurer à travers le taux d'androgène mesuré chez les filles. Celles qui pourraient être... Je ne sais pas, elles auraient un maxillaire un peu trop prognate, elles auraient un bassin trop étroit, parce que c'est ça qui a été dit de Caster Semenya. Et elle n'avait pas la bonne tenue non plus, elle n'avait pas la petite culotte. Voilà, elle courait avec un cycliste. Enfin, il faudrait parler de la présence des femmes dans les postes de dirigeants, l'encadrement. On pourra peut-être reparler de la question du plafond de verre qu'on connaît dans le monde du travail. J'ai les statistiques, les dernières, mais... Enfin, moi qui travaille là-dessus depuis si longtemps, des fois c'est décourageant, quoi. La sous-représentation des femmes, elle est chronique. Elle est chronique. C'est vraiment l'institution qui est en cause. Il n'y a pas plus de un quart à un tiers de femmes qu'on prenne les présidents de fédération, les dirigeants techniques, les élus, les cadres techniques, les brevets d'État, etc., 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 dans tous les arbitres, les juges, partout, partout. On est dans une sous-représentation chronique des femmes.
on ne peut pas dire qu'on ne pourra rien faire. Et enfin, la dernière chose, c'est la médiatisation des sportives. Là aussi, alors là, elles sont à proprement parler discriminées. C'est quand même un mouvement féministe qui n'avait rien à voir avec le sport, qui s'appelle Femmes Solidaires, qui a fait en sorte et qui s'est bagarré pour que les filles qui étaient en championnat du monde de football soient médiatisées. Elles l'ont été et on me dit « Ah ben tu vois, t'exagères quand même, on les voit ». Oui, enfin, on les voit. Bon, on ne va pas comparer évidemment au football masculin, mais je veux dire, donc soit elles sont invisibles. Où est la lanceuse de disques française, médaille d'argent dans les médias, par rapport aux nageuses, par rapport aux joueuses de tennis qui gagnent peut-être moins qu'elle et des titres moins élevés? Où est-elle dans la presse? On ne la voit pas. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est si on les voit, il faut qu'elles soient sexualisées. C'est-à-dire il faut qu'elles posent glamour, sexy, puis on trouve ça normal de le dire comme ça. Et puis on dit, bah oui, mais pour les hommes, c'est pareil. Ben oui, ben est-ce que c'est un gain, est-ce que c'est un progrès qu'on attende des hommes qu'ils soient aussi dans la sexualisation pour pouvoir être médiatisés? Qu'est-ce qu'elles vendent, les sportives? Leur sport ou leur corps? C'est une question qu'un jour j'ai posée aux beach volleyeuses sur l'histoire du bikini. Celle avec qui j'avais discuté là-dessus, elle n'a pas tellement aimé. Mais je trouve que c'est quand même une vraie question à laquelle on doit tous réfléchir. Voilà, je m'arrête là parce qu'après, il y a des leviers d'action. Y a plein et on va y revenir, je pensais bien. Catherine Louveau est quelqu'un de passionné, vous avez remarqué. Donc au moment des questions, vous ferez très attention des mots que vous utiliserez. Stéphanie Mavé, vous êtes chargée de mission au sein du pôle sport, éducation, mixité et citoyenneté. Et pour parler du développement du sport féminin et de la pratique sportive des femmes, eh bien, il faut peut-être commencer par, si vous en êtes d'accord, un arrêt sur image sur ce qui a déjà été ou tenté d'être fait quand on parle du diagnostic, quand on parle de fin d'étape, pour ensuite, bien évidemment, se projeter sur comment on va faire maintenant. Oui, alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Avant de partir sur un peu un constat de ce qui a été fait et de là où on en est, je vais me permettre de me présenter, de présenter aussi un petit peu plus ma mission qui est finalement assez mal connue. Alors tout d'abord, donc, je travaille pour le pôle ressources nationales, comme ça vient d'être dit. Donc le pôle ressources, je ne le présente plus puisque Loïc Le Canu l'a présenté tout à l'heure. Donc moi, je me situe donc à l'interface entre l'administration centrale, hein, et plus particulièrement le bureau B1 qui est en charge des pôles ressources nationaux, et des acteurs du sport pour lesquels je développe les outils qui sont nécessaires à la réalisation de leur mission, c'est-à-dire développer le sport féminin. Alors, en fait, l'essentiel de mon activité professionnelle, si vous voulez, elle a pour vocation d'essayer d'accélérer le processus de féminisation qui est déjà engagé, hein, qui a été enclenché depuis pas mal de temps, avec aussi, pour corollaire, évidemment, un travail sur la réduction des inégalités, sur les discriminations, sur le sexisme, sur les stéréotypes, etc. Donc, là, je voudrais avec vous déjà faire un petit peu un point sur ce qui a déjà été fait et répondre peut-être à déjà quelques petites interrogations justement qui ont été posées aussi par Catherine Louveau. Déjà, j'aimerais dire qu'on est aujourd'hui, vis-à-vis de l'État et des politiques en matière de développement du sport féminin, nous sommes un peu confrontés à un dilemme. Parce que d'abord, on a déjà quand même pas mal d'éléments de satisfaction à faire valoir aujourd'hui, hein, parce qu'on a vu qu'il y a quand même une certaine progression dans la répartition féminine dans le sport. Et en même temps, on a aussi quelques sources d'impatience, qu'on mesure très bien dans les paroles d'ailleurs de Catherine Louveau. Alors les éléments de satisfaction, bah, déjà on pourrait le dire, cela tient déjà dans le volontarisme politique qui a toujours été réaffirmé depuis maintenant. Alors c'était même antérieur à 98, mais je pense que Marie-George Buffet a été la première ministre, alors non pas qu'elle a été première ministre, hein, mais première ministre des sports, à vraiment appréhender ces questions. Et depuis 1998, ce volontarisme politique a été sans cesse réaffirmé avec des moyens humains et des moyens financiers qui ont été alloués sur ces thèmes. Alors, si vous souhaitez avoir des données plus précises sur les moyens humains et les moyens financiers, je vous les donnerai. En tous les cas, la création du pôle ressources pour lequel je travaille est directement liée à ce volontarisme politique. Alors, autre élément de satisfaction, il y a des chiffres qui sont relativement encourageants. Hein, pour revenir un petit peu plus en arrière, en 1968, nous étions 9% de femmes sur la pratique sportive licenciée.
Hein. Aujourd'hui, les derniers chiffres montrent que nous sommes aux alentours de 37%. Donc, on est encore loin de la parité. Hein. Je crois que j'avais fait le calcul, il faut qu'on attende 2037 pour être à la parité, avec, en voyant la courbe de progression. Donc, on est encore loin du compte. Alors, on a aussi, évidemment, quelques chiffres. Maintenant, je vais passer sur l'autre versant, c'est les chiffres qui inquiètent et qui questionnent. Alors, aujourd'hui, on compte 39 fédérations sportives sur 115 qui sont recensées, qui comptent aujourd'hui moins de 10% de licenciés féminines. Alors évidemment, il y a des exemples très saillants. Hein. Le foot en est un. Alors il a fait d'énormes progrès ces derniers temps. Donc il a quitté les 3% et il arrive à 4,03%. Ce qui représente quand même 80 000 licenciés, plus de 80 000 licenciés. C'est quand même un gros volume. Hein. Alors sur les autres chiffres qui questionnent, il y a une seule femme à la tête d'une fédération sportive olympique. Vous savez que là, il y a eu un renouvellement complet on passe à une nouvelle Olympiade, donc un renouvellement complet des instances dirigeantes. Et donc, alors en tous les cas, à ma connaissance, hein, puisque les chiffres officiels ne sont pas encore sortis, mais il suffit de faire le décompte, il y a une seule présidente de fédération sportive olympique. Alors là aussi, les chiffres restent officieux puisque tous les postes ne sont pas encore pourvus, mais aujourd'hui, on comptabilise 3 nominations de DTN femmes sur des sports olympiques. Sur les nombres de présidentes, toutes fédérations confondues, on en compte 14 sur 115. Donc vous voyez qu'on arrive, on est encore beaucoup loin du compte et loin de la parité. Et puis, alors ça, sur les chiffres, à partir des chiffres qui questionnent, mais il y a aussi des faits qui questionnent. Évidemment, on se questionne toujours sur la présence très discrète des femmes sur les postes à responsabilité, malgré les dispositions réglementaires. Alors, il va y avoir un durcissement, pardon, de ces dispositions réglementaires. Alors, d'autres choses aussi qui questionnent. La mise en sommeil de dispositifs nationaux, comme le dispositif concours femmes et sport, qui a disparu en 2011, mais qui est maintenu quand même dans certaines régions. Preuve s'il en est qu'il y a un besoin toujours de promouvoir l'aspect exemplaire des initiatives qui sont menées localement et qui a vocation à développer l'accès des femmes aux pratiques sportives et l'accès des femmes aux responsabilités. Et donc toutes ces questions et tous ces chiffres m'amènent à moi aussi à questionner justement le fait qu'on aurait certainement peut-être atteint notre summum d'efficacité dans l'intervention que l'on a encore aujourd'hui et qu'on aurait peut-être aussi atteint ce fameux plafond de verre qui fait que aujourd'hui peut-être qu'on est à même de devoir repenser notre manière d'agir et finalement c'est aussi le sens dans lequel moi je me mobilise aujourd'hui et c'est un peu le versant technique et pédagogique de ma mission que je me permettrai ensuite d'évoquer avec vous un petit peu plus loin. Alors, s'attaquer au plafond de verre, c'est finalement le gros du travail que j'essaye d'aborder maintenant depuis ça fait 7 ans que je suis sur le pôle ressources et il m'a fallu quand même deux bonnes années pour comprendre vraiment le mécanisme et pour m'atteler à la tâche et essayer de développer des actions qui vont vraiment s'attacher à essayer de faire bouger les lignes. Alors justement, du côté de l'offre sportive, aujourd'hui, on voit que pour que les femmes puissent franchir les portes des clubs, les clubs souvent essayent de proposer des offres de pratiques qui sont calibrées sur les attentes des femmes. Hein, donc, c'est-à-dire avec suffisamment d'attributs féminins pour qu'elles s'y engagent. Hein. Alors, par exemple, la fédération de boxe a multiplié par 6, je crois, en l'espace de 5 années, son nombre de licenciées féminines en inventant un concept qui s'appelle l'aérobox. Alors, ça a bien marché. Hein. Mais en même temps, on voit que ce n'est pas suffisant parce que la contrepartie, c'est qu'en proposant cette offre de pratique calibrée sur les attentes des femmes, on a dans le même temps renforcé les identités de genre et renforcé finalement et surtout cloisonné les pratiques des hommes et des femmes. Alors, on voit bien que les attributs féminins que l'on retrouve dans le sport, c'est la grâce, la souplesse, l'esthétique, le bien-être, la santé, tout ça, c'est le domaine du féminin.
Alors, la contrepartie, c'est donc qu'on a bien renforcé les identités de sexe. Hein, pour vous citer, on aurait tendance à dire que dans le sport, voilà, aux hommes, le faire et aux femmes, le plaire. Alors, ça dépasse largement le cadre du sport, mais le sport est aussi sur ce modèle-là. Alors moi, ce que je propose, évidemment, à travers mon action, c'est de passer d'une approche sexuée qui renforce les identités liées au sexe, hein, et qui cloisonne les pratiques des hommes et des femmes, à une approche de genre qui tente de les décloisonner. Alors finalement, ça va peut-être certainement vous faire bondir, enfin je ne sais pas, j'essaie de faire tendre le sport vers l'unisexe, hein, qu'il soit autant aisé pour une femme, finalement, de faire de l'haltérophilie, de la boxe, que pour un homme de pratiquer de la danse. Alors moi, j'avais en référence des films, hein, One Million Dollar Baby et Billy Elliot. On est complètement dans ce registre. Et le principe sur lequel je base mon action, et l'ensemble des actions que j'essaie de décliner, c'est que tout repose sur nos représentations et sur nos constructions identitaires. Et que tout ce qui est socialement construit peut être déconstruit. Et donc là, on est vraiment bien dans l'approche de genre que l'on va appliquer au sport. Et donc là, il y a un véritable travail de longue haleine à réaliser sur et avec les individus. En tous les cas, jamais contre eux. Et évidemment, le levier d'action qu'on avait déjà tous relevé tout à l'heure, c'est le levier d'action qui est éducatif. Donc, en ligne de mire, les actions de formation des entraîneurs qu'on avait évoquées tout à l'heure. Alors Stéphanie Mavé, justement, vous avez parlé de ces leviers. Et Catherine Levaux, on retourne vers vous, bien évidemment, à la fois pour nourrir peut-être les propos que vient d'évoquer Stéphanie Mavé, mais aussi nous donner d'autres indications. Est-ce que vous estimez qu'il y a, oui, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels on peut appuyer pour faire changer les choses? Oui, la question de la déconstruction, effectivement, elle est absolument... Elle est centrale, quoi, la déconstruction des représentations, des assignations de sexe, c'est-à-dire genre... Ce qu'on va voir à Noël, c'est-à-dire il y a des jouets pour les filles, il y a des jouets pour les garçons, et on voit que ceux, je ne cite pas la marque, mais enfin on en parle beaucoup dans la presse, qui tentent donc de faire que les petits garçons pourraient par exemple jouer avec une dinette et que les petites filles pourraient jouer avec un garage, ça soit quelque chose de concevable et que pour autant ça ne modifie pas leur sexe, leur identité de sexe, etc. etc. Donc cette déconstruction... Elle n'est possible qu'au prix d'une visibilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir rendre visibles ces inégalités, ces discriminations et essayer d'en défaire les ressorts, c'est-à-dire de l'expliquer. Alors on a plusieurs lieux pour ça. Ça, je disais que la mixité, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce qu'on a l'impression que ça va tout résoudre, mais il ne suffit pas de mettre ensemble des garçons et des filles pour qu'ils soient égaux. Alors c'est toujours les exemples que racontent des enseignants d'éducation physique. Hein. Par exemple, sur le terrain de handball, vous mettez ensemble les garçons et les filles en 6e, en 5e. Qu'est-ce qui va se passer? Les garçons devant jouent la balle et les filles, comme dit ma collègue professeure de PS, elles font les pom-pom girls à l'arrière, elles applaudissent. Oh, c'est bien, les garçons, ils marquent les buts, c'est super. Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, pourquoi? Mais parce que les enfants, quand ils arrivent à l'école, quand ils arrivent dans le club de sport, enfin bref, quand on les reçoit en tant qu'enseignants, éducateurs, bon, les enfants, ils ont été socialisés, ils ont appris, ils ont incorporé tout un ensemble de choses qui se font, qui ne se font pas, de comportements, d'objets, de rapports aux espaces, etc. Et donc, tous ces les petites filles et les petits garçons ont appris, avant d'arriver sur le terrain de sport, mais sur le terrain de sport, ça va se renforcer, qu'il faut devenir un vrai homme d'un côté, qu'il faut devenir une vraie femme, qu'un garçon ça pleure pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et tous ces apprentissages sont incorporés, donc ils deviennent inconscients, invisibles. Et mettre les enfants dans la mixité, si les enseignants disent je vais les traiter à égalité, ce qui souvent se passe dans notre école et qui est un problème aussi, ça ne part que de bonnes intentions, évidemment, de produire de l'égalité à l'école, c'est le but de notre école républicaine, publique, mais en même temps, produire de l'égalité ne se peut que si on connaît les différences, les inégalités, et que du coup, on les utilise, on les déconstruit. Donc ça, évidemment, l'éducation. Alors, je voudrais parler, en l'occurrence, par exemple, ici, à propos il y a l'éducation et la formation des enseignants. Il faut commencer à la base pour les générations à venir. L'éducation, par exemple, l'ABCD de l'égalité, qu'une ancienne footballeuse, Nicolas Barre, pour la nommer, parce qu'elle a fait sur ce plan...
part dans des choses très importantes en utilisant par exemple le football avec des petits pour déconstruire ces représentations sexuées où elle montre très bien que les petits garçons et les petites filles, ils peuvent jouer ensemble le football. Et donc l'ABCD de l'égalité, c'est de justement dans les formations des enseignants, les nouveaux ESP, etc., de tous les enseignants, donc de travailler sur la connaissance de ces stéréotypes, la connaissance de ces socialisations, de comment ça se manifeste dans les cours, comment les enseignants se comportent différemment avec des filles et avec des garçons. Les enseignants de PS, comme les autres, ne les traitent pas de la même manière, mais très souvent, ils ne se rendent pas compte. Ben, les amener, justement, à pouvoir se rendre compte de ça. Donc, on voit que le travail est considérable. Hein, et donc, les apprentissages dont je parle, par exemple, les jouets, ce n'est pas tellement le rose et le bleu, le problème sur la question du sport. Les jouets des filles, c'est des jeux statiques et d'intérieur. Alors, imitation des mères, la femme séduisante, la maman et la séductrice. Voilà ce qu'elles apprennent à devenir. Mais surtout dans un espace clos et à l'intérieur, statique. Les jeux des garçons, ils sont très dynamiques. C'est l'exploration de l'espace. Et après, on va dire, oh, c'est bizarre, c'est vrai, génétique. Hein, les femmes, elles ne savent pas lire les cartes routières. Ben oui, évidemment. Évidemment, parce qu'elles n'ont pas été socialisées à explorer l'espace. Voilà, vous avez la réponse. Va, court, monte, grimpe, etc., etc. Bah, disons qu'il faut essayer de fournir des éléments d'analyse. Et alors, il y a aussi quelque chose qui est très important sur les postes de dirigeants. Là, je voudrais, par rapport aux chiffres que Stéphanie a livrés, c'est vrai que ça n'avance pas vite. Et donc, sur l'accès aux postes de responsabilité, le plafond de verre, ce n'est pas une fatalité. Il y a la question de la compétence. Moi, j'ai entendu des femmes entraîneurs, dirigeantes, etc., dire « Oui, mais est-ce qu'il y a des femmes compétentes pour accéder à tel poste ?» Et je leur dis « Et la compétence des hommes ?» Excusez-moi, il y a beaucoup d'hommes, je le sais. Et la compétence des hommes, vous vous êtes posé la question ?« Ah, tiens, oui, c'est vrai, peut-être. » Et ce qui est terrible, c'est que les femmes elles-mêmes intériorisent leur infériorité, leur incapacité. Les femmes ne sont pas des victimes, je veux dire que nous sommes des actrices. Nous pouvons donc, voilà, et les femmes, elles savent faire, elles ont appris, ce sont des apprentissages. Il n'y a pas un gène du repassage, il n'y a pas un gène de faire des directs. Ben oui, mais pour conduire des groupes et entraîner, tout ça, ce sont des apprentissages. Donc les femmes, elles peuvent être entraîneurs, comme les hommes peuvent repasser, peuvent faire d'autres tâches où elles peuvent s'occuper des moteurs, etc., etc., et diriger. Une femme peut diriger des hommes, bien entendu, et des hommes peuvent diriger des femmes, ben ça, on le sait depuis longtemps. Voilà. Merci Catherine. Vous comprenez pourquoi on avait choisi qu'elle soit avec nous. Alors, toutes les questions que vous souhaiterez, vous pourrez leur poser dans un instant. Je vais me tourner aussi dans une très courte minute, enfin quelques instants, vers nos deux autres protagonistes de cette suite de table ronde sur la thématique « Comment accepter nos différences ?» Mais je vais m'appuyer sur un nouveau témoignage, celui d'Alan Inseke, qui est là, Alan. Je vous laisse le micro, vous restez là. Merci. Vous êtes très actif au sein de votre club de Taekwondo de Rouen, club qui réunit en son sein des adhérents des Hauts de Rouen, mais aussi du centre-ville. Donc, qui, on l'a vu tout à l'heure également avec votre collègue, qui représente des couches sociales différentes. Et bah, c'est cette différence de territoire qui est à l'origine de conflits que vous avez à gérer. Alors, au départ, qui vous ont sauté à la face, puis après, vous avez dit, bon, voilà, je vais peut-être prendre les choses en main. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé au début et comment vous essayez de faire en sorte que... voilà, c'est quoi la réalité que vous vivez malheureusement au quotidien et que vous essayez de réduire ? Bah, disons que, comment dire, de par mon passé, première chose, moi aussi, je viens d'un quartier, je suis noir, donc j'ai eu droit aux petites blagues, j'ai eu droit à tout ça. Ce qui se passe, c'est que... Au fur et à mesure des années, ben, ce sont des choses, non pas qu'on va banaliser, mais qu'on va intégrer quelque part, parce que ça passe tellement dans le langage commun que voilà, on y fait plus ou moins attention. C'est la première chose. Après, on va le banaliser ou pas, si justement on est en capacité de le faire. Quand je dis en capacité, ça veut dire si on se sent suffisamment confiant, si on se sent suffisamment présent dans cette société, ou au sein du quartier où on habite, ou au sein de sa ville, voilà. Pour moi, je pense que c'est un élément qui est vraiment incontournable, parce qu'on parle beaucoup des discriminations, mais on ne parle pas assez, à mon sens, de tout ce qui est autodiscrimination. Est-ce que c'est ce que l'on retrouve beaucoup par rapport au public que l'on peut avoir sur les Hauts de Rouen ou dans d'autres systèmes ? Moi, pour ma part, j'ai eu la chance de ce que j'entends beaucoup parler de formation depuis tout à l'heure, et c'est vrai que c'est vrai. Enfin, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est important et c'est même incontournable, j'ai envie de dire. J'ai eu la chance de suivre des cours en STAPS à l'université, donc d'avoir Madame Louveau comme professeur, d'avoir lu Monsieur Lothar,
et surtout, de par ma pratique sportive, d'être amené à toucher plein de publics différents. Je travaille avec la protection judiciaire, donc des gens qui sont incarcérés, qui ont une estime personnelle qui est très basse, et je travaille aussi sur les quartiers, donc avec des jeunes filles qui ont grandi avec des codes bien précis. On ne s'entraîne pas avec les garçons, on ne tape pas avec les garçons. Alors, ce qui se passe aussi, surtout au début, c'est qu'ils ils sont en recherche d'une identité personnelle, à mon sens. Hein, c'est vraiment mon interprétation. C'est-à-dire qu'on vient du quartier, les institutions nous ont stigmatisés en nous disant « Tiens, toi, tu habites le Haut-de-Rouen, donc tu brûles, tu casses, tu fais tout ça. » Donc, ce qui fait que souvent, ces jeunes-là vont avoir tendance à se dire « Bon, ben, nous, on est des chauds. » Voilà. On a eu l'occasion, on a monté le projet en 2011 sur le quartier, et on a eu une clique. On va dire une clique, on a eu un groupe de filles, un groupe de jeunes filles. Et c'était à peu près une dizaine. Et c'est vrai qu'au début, on a eu des problèmes pour justement leur faire adhérer à notre système, c'est-à-dire à nos règles. Elles avaient les règles du quartier. Moi, dans mon projet, je voulais créer un aller-retour entre la section du centre-ville et la section des Hauts-de-Rouen pour justement casser un petit peu tous ces clivages ou bien toutes ces représentations. Puis surtout les amener à se questionner et à se rencontrer. Les enfants du centre-ville ont aussi des problèmes qui sont différents de ceux des Hauts-de-Rouen, mais ont quand même des difficultés à gérer. Alors l'idée, c'était qu'avec ce qui faisait leur force, selon eux, c'est essayer de créer une espèce d'émulation de groupe au sein du dojang, où les gens sont habillés de la même façon, où il y a un système de règles qui est commun aux deux groupes, où la possibilité de s'élever, de passer des grades, d'être ceinture noire, où la possibilité de participer à telle ou telle compétition ne va pas être régie par, par le groupe d'appartenance, entre guillemets, ou le sexe. Ce sont des règles que vous-même, vous avez développées. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait spontanément, on est bien d'accord. C'est des choses que vous avez développées pour faire en sorte que les deux groupes, entre guillemets, au sein de votre club, puissent, pratiquer le sport de manière plus sereine. Oui, alors... En deux mots, parce qu'on a oui. Très peu de temps. Non, mais en fait, ce sont des règles que j'ai développées par rapport à ce que j'ai pu identifier. Ce que vous disiez, ouais. Voilà, c'est vraiment, les filles là, elles ont une petite appétence pour la compétition, mais pour faire des compétitions, il faut qu'on puisse s'entraîner. Donc, je les ai emmenées sur le centre-ville où elles ont combattu avec des filles qui avaient un niveau plus élevé. Elles se sont rendues compte qu'il y avait du travail. Puis finalement, après, le fait de les emmener sur des stages vraiment en commun, ils ont pu échanger et se rendre compte que l'objet commun, c'était le taekwondo. Et elles ont pu travailler ensemble. Donc il y a eu une vraie progression, parce qu'au début, elles ne voulaient pas travailler avec les garçons. Et au fur et à mesure, elles se sont rendues compte que ça faisait partie de la pratique. Ce n'est pas parce que c'est un garçon que voilà. Donc du coup, maintenant, elles s'entraînent avec et ça se passe très bien. Merci Alain Inseguet de votre témoignage. Je me tourne vers vous, Patrick Kahn. Prenez donc le micro, où va vous passer Philippe Piotard. Patrick Kahn, vous êtes chargé de mission sport à la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et avec vous, on va aborder à la fois le problème, on l'a évoqué tout à l'heure, du vivre ensemble, et notamment dans le sport. Mais quand on évoque aussi, il y a les replis communautaires, les discriminations religieuses. Et il y a des choses qui se font, on avance, est-ce qu'on recule aussi? Voilà, on a besoin de votre point de vue sur cette thématique-là. Et puis après, bien sûr, on se tournera vers Patrick Mignon. Donc, rapidement, d'abord, pour expliquer quel est le rôle de la LICRA depuis 15 ans dans la lutte contre le racisme dans le sport. La LICRA était la première organisation antiraciste à s'engager dans ce combat à l'époque à travers son ancienne présidente nationale de la commission sport, Karine Bloch, à l'époque où ce combat n'était pas très populaire et pas très visible. Voilà. Depuis 15 ans, nous pouvons effectivement tirer nombre de constats. Donc, on ne va pas revenir sur certains d'entre eux qui se rapprochent de ceux qui ont été énoncés tout à l'heure, mais qui montrent encore, malgré de nombreuses avancées, tout le chemin qui reste encore à parcourir. Le sport, et plus particulièrement le football, mais je ne voudrais pas non plus qu'on tape en permanence sur le football, parce que je crois que c'est certainement le sport qui aujourd'hui concentre le plus de problèmes de par sa diversité des publics, à l'instar de d'autres sports, mais quand même, on peut voir quand même aujourd'hui, malgré tout, certaines avancées.
Bon, les constats restent toujours les mêmes. On l'évoquait tout à l'heure. Au plus haut niveau du football, vous n'avez plus aujourd'hui de président noir. Le dernier était donc membre de la LICRA, Pape Diouf, pour ne pas le citer. Il n'y a plus d'entraîneur non plus en première division, donc ni d'origine maghrébine ni africaine. Vous avez dans les hautes sphères des directions, qu'elles soient nationales, de ligue ou voire donc départementales, très peu de représentation de la diversité. Voilà, dans un sport qui est pratiqué quand même par 30 à 40% de jeunes issus donc de cette diversité dont tout le monde donc parle. Voilà, ça c'est les constats. Donc il reste encore beaucoup de chemin à parcourir de ce côté-là. Alors, bien évidemment, la LICRA, c'est aussi des actions depuis très très longtemps, d'actions d'éducation, de sensibilisation. Je veux dire, nous, depuis des années et des années et des années, nous sommes partout où on nous demande, dans les clubs, dans les instances, etc. Parce que, bien évidemment, tout commence par ce travail donc, d'éducation, de sensibilisation. Pour autant, s'en arrêter là, aujourd'hui, serait effectivement difficile parce que, excusez-moi de casser un peu l'ambiance, mais aujourd'hui, le constat que nous portons, c'est que toutes ces belles initiatives, toutes ces belles politiques, si elles ne sont pas incarnées, si elles ne sont pas portées au plus haut niveau, si ces belles valeurs que nous défendons, aujourd'hui, si même, ne sont pas effectivement portées au plus haut niveau, que ce soit par des hommes politiques, que ce soit par des instances donc, qui gèrent aujourd'hui le football. Trois exemples. Je veux dire, aujourd'hui, il va y avoir des Jeux Olympiques demain, donc d'hiver. Vous savez qu'il y a un débat qui a été lancé suite aux propos de Poutine sur des propos homophobes. Voilà, un débat est lancé. Bon, est-ce qu'il faut-il boycotter, pas boycotter? Bon, toujours est-il que... Il y a un souci. Nous allons avoir une Coupe d'Europe de football dans quelques années donc en Russie. La Russie qui continue à se distinguer à l'échelle européenne par des agressions racistes de certains clubs, dont certains prônent ouvertement. C'est inscrit dans leur projet de club qu'ils ne veulent pas avoir. Ils n'intégreront jamais, par exemple, de joueurs noirs dans leur équipe. Je veux dire, à ma connaissance, aucune instance n'a aujourd'hui sanctionné ce club, pour ne pas le nommer, le club de Saint-Pétersbourg. Faut-il ou pas maintenir, ça c'est une vraie question, parce que c'est la crédibilité du sport, c'est la crédibilité donc, autour de ce vaste débat autour des valeurs que nous portons tous. Faut-il ou pas maintenir la Coupe d'Europe à ce pays qui aujourd'hui se caractérise en permanence par une bienveillance, on va dire, par rapport à ces phénomènes racistes, notamment à l'encontre de nombreux joueurs d'origine africaine. Faut-il maintenir la Coupe du Monde au Qatar? Par exemple, vous avez des centaines et des centaines et peut-être des milliers de travailleurs népalais qui vont mourir pour la construction des stades, de manière, enfin, pour que l'organisation de cette Coupe du Monde de football puisse avoir lieu dans les temps et dans les délais, sans tenir compte des droits de l'homme minimum, qui ont été constatés, parce qu'on connaît aujourd'hui le poids de ce pays dans le sport et dans le football particulièrement. Voilà. Je crois que, bon, et je pourrais aussi démultiplier les exemples infinis. Il ne peut pas y avoir de crédibilité. Alors oui, bien sûr, il y a des réveils tardifs, mais il y en a. Alors, vous avez M. Blatter qui s'est réveillé parce qu'il dit, voilà, c'est vrai que la Russie... Bon, il faut quand même dire quelque chose, il faut faire quelque chose, parce que si on ne dit rien... Donc M. Blatter, effectivement, vient maintenant, du haut de ses 77 ans, de se réveiller et constater effectivement qu'il y avait un problème de racisme dans le football, chose qu'il avait nié jusqu'alors. Je crois que ce soit donc au niveau du sport mondial ou européen, que ce soit au niveau du sport français, ces questions, et s'il n'y a pas vraiment, par rapport aux valeurs et par au combat minimum aujourd'hui requis
pour que le sport retrouve ses lettres de noblesse, il va falloir que ce type de débat soit posé et que les gens s'engagent. Voilà. Ça, c'était un préambule. Bon, maintenant, par rapport à la question... Ça va être un très grand préambule, parce qu'il vous reste très peu de temps là, voilà, pour passer à... Mais il me tenait à cœur, celui-là, parce qu'il est effectivement important. Il ne pourra pas y avoir de recul durable de ces phénomènes de racisme s'il n'y a pas d'incarnation, s'il n'y a pas de volonté politique forte, même par rapport au sujet que je vais aborder maintenant. Oui, les constats donc, ont effectivement évolué au niveau du sport et particulièrement du football. Bon, vous avez aujourd'hui au niveau du sport professionnel et notamment donc, dans le football, mais pas que, donc, des phénomènes politiques persistants, inquiétants, notamment donc, à travers donc, l'engagement de groupes extrémistes qui ont trouvé dans le cadre du football, je dirais, une occasion de pouvoir donc, s'implanter et diffuser leur idéologie de haine. Donc ça, vous le constat, nous le voyons tous les jours, hein, à travers, donc, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit donc, dans d'autres pays européens. Donc ce phénomène, nous le connaissons bien, nous savons y répondre. Le phénomène des hooligans ne nous est pas inconnu. Voilà. Par contre, il y a effectivement d'autres pratiques, notamment dans le football amateur, qui ne cessent, celle-là, de nous inquiéter, parce que le football amateur est beaucoup moins armé que le football professionnel pour y faire face. Je veux penser donc aux problématiques nouvelles que vous avez évoquées et qui aujourd'hui occupent une grande partie de nos actions, qui sont effectivement donc les saisines sur ce que l'on appelle aujourd'hui pudiquement le repli communautaire et donc le fait religieux, notamment dans le sport. Nous avons été récemment, j'ai amené donc des dossiers, donc pour ceux que ça peut intéresser, donc amené à intervenir, excusez-moi, sur des saisines concernant donc le port du voile dans des équipes de basket, de jeunes filles qui, quand elles vont effectivement donc jouer dans des endroits un peu reculés, voilà, génèrent effectivement des réactions donc de violence effectivement verbale et physique. Donc ça a été le cas pour trois d'entre elles. Vous avez effectivement aujourd'hui de plus en plus de clubs qui sont confrontés au fait religieux et qui ne savent pas comment aujourd'hui y répondre. Alors qui se manifestent comment? Qui se manifestent notamment par un recul. Mais il y a beaucoup de similitudes, hein, etc. Le refus de prendre sa douche aujourd'hui pour des raisons de pudeur. Voilà, nous avons constaté cette année plusieurs cas de manifestations religieuses, de prières religieuses au milieu des, enfin, sur les terrains. Nous avons, enfin bon, etc., etc. Bon, le monde sportif est effectivement dépassé par ces phénomènes-là et il n'est pas du tout préparé. Voilà. Cela, par rapport à quelque chose que l'on ne connaît pas ou qu'on maîtrise mal, la réaction, c'est effectivement avant tout une réaction donc, de rejet, qui, bien évidemment, suscite après des réactions de rejet à caractère raciste, qui se manifestent soit par des violences verbales, soit par des violences physiques. Voilà. Donc, je crois que, voilà, en gros, rapidement, les nouveaux problèmes auxquels nous sommes confrontés, à côté de ceux plus traditionnels, je dirais, mais que depuis des années nous accompagnons, mais le sens effectivement de mon appel, et je tiens encore une fois à le réitérer, nous pourrons faire de nombreux colloques, nous pourrons faire de nombreux diagnostics, nous pourrons observer autant que nous voudrons, si demain, et c'est vraiment pour nous une nécessité, si effectivement ces politiques-là ne sont pas relayés, ne sont pas incarnés au plus haut niveau, nous resterons toujours un peu sous nos fins. Merci Patrick Kahn. Patrick Mignon. Patrick Mignon, vous êtes chercheur à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, et vous travaillez au sein du laboratoire de sociologie du sport. Avec vous, on va revenir sur un certain nombre de mécanismes discriminants favorisant justement le racisme, même si vous aussi vous tenez à ce qu'on fasse bien attention à ces notions de racisme et de discrimination, parce que parfois, bah oui, il y a des confusions, notamment sur les mots et sur ce que ça représente. Si vous voulez, je voudrais préciser l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, il est très modeste. Hein, c'est une réponse à une question qui a été posée tout à l'heure par Patrick Kahn, et qui est de... à partir du constat selon lequel
il y a très très peu de dirigeants alors reprenant le sport ou encadrant techniquement le sport à très haut niveau qui soient issus de ce qu'on appelle les minorités, populations minoritaires. Minoritaire, dans l'acception que je prends, c'est celle qui est prise par un institut de démographie qui considère que on appelle minoritaire les personnes qui sont issues de familles étant venues en France eux-mêmes, soit leur famille venue en France et descendant donc d'immigrants. Hein, donc ce qui inclut des gens de nationalités très très différentes, mais on voit bien que pour la France, ça inclut les personnes venant d'Afrique, par exemple, venant d'Afrique du Nord, venant aussi du Portugal ou d'Espagne. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle, mais aussi des Antilles, c'est important, puisque ça fait référence aussi au passé colonial. Sont considérées comme minoritaires les populations qui ont été à un moment donné aussi des populations qui ont appartenu à l'Empire colonial français. Donc voilà. Donc quand on fait ça, on regarde et on a très très peu de dirigeants. Donc la question était celle-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le fait que sur les terrains, dans les équipes nationales, aux Jeux Olympiques, etc., on ait effectivement des équipes, une France qui soit représentée par des populations issues de l'immigration, et pourquoi on ne retrouve plus à l'autre niveau. Voilà. Alors, je voudrais faire, par rapport à ce propos, dire, voilà, on a tout à l'heure Catherine Louet évoqué le plafond de verre, ben on peut dire c'est un petit peu ça. Voilà. Le plafond de verre, c'est que quand vous prenez, notamment dans le football, mais aussi, c'est vrai pour le basket, vous prenez les entraîneurs et les dirigeants dans les divisions inférieures, dans le cas du football. C'est-à-dire vous commencez en CFA, CFA2, division d'honneur, etc. Et là, vous avez effectivement de nombreux dirigeants issus de l'immigration. Vous avez de nombreux entraîneurs issus de l'immigration. Par contre, ça ne passe pas. De même, vous avez, quand on voit les staffs, c'est pas facile de connaître tous les staffs, toutes les équipes, mais on s'aperçoit qu'effectivement, dans les positions d'adjoints, d'entraîneurs spécialisés, on va trouver des personnes issus de l'immigration, mais pas au niveau de sélectionneur national, etc. Bon, il y a quelques histoires sur comment Tigana n'est pas devenu sélectionneur de l'équipe de France de football. Quelques histoires d'un DTN d'une fédération aussi qui était de couleur et qui a été effectivement l'objet d'attaques racistes quand on l'a proposé à ce poste de DTN. Il est devenu finalement, mais voilà, il a été confronté à ces types de discours. Donc voilà la réalité. Ça, c'est donc la question de départ. Alors, je voudrais faire 5 petites propositions et ensuite passer à quelques, si on veut, mécanismes qu'on peut identifier. Parce que le propos ici est celui-là, c'est de se dire effectivement entre racisme et discrimination, comment on peut distinguer les choses, qu'est-ce qu'on peut dire, et éventuellement quels sont les moments où ça se passe. Voilà, c'est ça qui nous intéresse si on veut effectivement agir dessus. Alors, premièrement, racisme et discrimination. On peut être raciste mais ne pas discriminer. C'est pas parce qu'on a des joueurs de couleur dans son équipe qu'on n'est pas raciste. C'est la réponse qu'on a quand on va avoir un président de fédération. Et chez vous, ah bah regardez. Bon, d'accord, ok. Non, parce qu'on sait très bien que ce qui va jouer dans le sport, c'est un autre critère. Et l'autre critère, c'est celui-là. Objectif, subjectif. Lorsque les critères sont objectifs pour mesurer une performance, vous avez des chances de faire tomber la discrimination de type racial. Parce que ce qui va importer, c'est effectivement la performance. S'il n'y a pas de loi qui dit que la pratique entre blanc et noir est séparée. Bon, comme cette loi n'existe pas, le critère d'objectivité, tant de secondes, tant de buts, fait que, ici, la discrimination de type racial tombe. Par contre, elle va réapparaître lorsque vont jouer des critères de type... Alors, je dis subjectif pour opposer objectif. C'est-à-dire que là, on va faire jouer des qualités qui sont des qualités, vous comprenez, c'est difficile d'objectiver, le sens du contact, le sens des relations, l'image, la représentation, etc., la compétence. Ça, c'est subjectif, effectivement, parce que, de fait, on va faire jouer différents types de critères. Là, par contre, on va retrouver ce type, la discrimination qui peut reposer sur un critère de type racial. Troisième point, volontaire, involontaire. Oui, c'est vrai, de le racisme, il y a un racisme volontaire, donc quand on parle des groupes de supporters qu'on connaît bien, dire là c'est très volontaire, on n'en veut pas, etc., restez chez vous, bon d'accord. Mais il y a un racisme qu'on va appeler involontaire, qu'on appelle institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des mécanismes qui ont inscrit dans leur fonctionnement le fait justement de proposer ces espèces de jugements de qualité qui vont être des moments d'opération dans lesquels on va faire un tri et dans lesquels le critère de type racial peut jouer. Quatrièmement, mais la conclusion de ces points d'introduction, c'est deux fois plus.
Quand on interroge les entraîneurs qui sont arrivés effectivement à occuper des positions relativement importantes auprès d'équipes nationales ou d'équipes nationales, le propos, la formule qu'ils utilisent tous, c'est 2 fois plus. Voilà. Pour y arriver, j'ai fait 2 fois plus que les autres. Bon, voilà, c'est ça. Ils laissent de côté le fait qu'ils ont été éventuellement l'objet, comme c'est dit tout à l'heure, de vexations à certains moments de leur vie, etc. Mais que dans leur parcours professionnel, c'est le 2 fois plus qui joue. Donc maintenant, voyons à quelques mécanismes identifiables. Alors, la première de toutes, bon, bien sûr, c'est effectivement l'existence de conception raciale. Alors, le problème du sport, c'est que le sport est très visible et que ce qui fait voir le sport, c'est des corps. Donc, il va y avoir des apparences physiques, il va y avoir des couleurs. Donc, à partir du moment où une performance peut être liée à des couleurs, la voie de l'interprétation raciale est ouverte. Là, les coureurs kényans, les sprinteurs noirs, les demi-fondeurs maghrébins, etc. Là, vous avez toute une ouverture pour un discours de type racial, qui n'est pas nécessairement un discours. Mais le racisme, c'est compliqué parce qu'il peut être effectivement très hiérarchique, très volontaire, très excluant. Il veut simplement dire, ils sont très bons là-dedans, c'est remarquable, c'est très très bien, mais pour autre chose, ça c'est un autre problème. Donc c'est aussi la question de l'ambivalence, si on veut, de la prise en compte du caractère racial, hein, de la caractéristique, par exemple, des groupes. Mais par exemple, au rugby, un pilier basque, pendant très longtemps, c'était un symbole. Voilà. Donc c'était basque, et c'était aussi une qualité naturelle, culturelle. Deuxième point, je pense à noter, enfin qu'on a pu noter, c'est la question, l'effet de cheminement. Alors, vous avez comme ça, si on prend le modèle des gens qui ont réussi, là je prends le cas par exemple du football, on refait un petit peu une espèce d'histoire de ceux qui sont entraîneurs en première division, on s'aperçoit que d'une certaine manière, il y a une espèce de voie royale. D'abord on a commencé très jeune, ensuite on a occupé un poste qui est souvent un poste un petit peu de retrait sur le terrain, genre milieu défensif, genre défenseur central, etc. Bon, on a beaucoup d'entraîneurs qui ont occupé ces postes, qu'on a passé pas mal de temps, 4-5 saisons au début de sa carrière et à la fin de sa carrière, dans un même club. Donc on a créé des liens. On raconte aussi ce que racontent les entraîneurs. C'est-à-dire, on devient entraîneur pas par une espèce de vocation, mais parce qu'on est quelque part incité à prendre à un moment donné des responsabilités, comme capitaine, puis comme passer les diplômes. Dans les entraîneurs issus de l'immigration qui ont fait des parcours intéressants, ce moment est extrêmement mis en avant. C'est-à-dire, mon entraîneur m'a dit, tu devrais faire ça, et il m'a donné le capitaine à un moment donné, puis etc. Et je suis lu son adjoint. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en langage technique le signalement, mais dans le cheminement, c'est important. Alors, j'ai parlé du temps qu'on passe dans un club au début à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une importance considérable, et ça, c'est le critère subjectif, c'est là où il apparaît, du phénomène de clic ou de réseau. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement connu en sociologie du travail. Comme on est recruté, on n'est pas recruté sur quelque chose qui serait une feuille d'examen avec une note à la fin. On est jugé sur la force des réseaux qu'on peut mobiliser pour savoir qu'il y a une place disponible et pour savoir comment on peut atteindre cette place. C'est tout à fait fondamental. Alors, il y a d'autres points qui vont jouer, effectivement, qui vont être un petit peu des éléments qui vont mettre en difficulté les anciens sportifs issus de l'immigration. C'est par exemple les questions des modèles de réussite sociale. On ne projette pas son avenir de la même manière selon un peu l'endroit où on est dans la société. Et de fait, le modèle social, notamment pour les nouveaux arrivants, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Les Polonais arrivent en France dans les années 30, ils deviennent entraîneurs dans les années 50, début des années 60. Voilà, bon, faut s'installer de certaines façons. Hein. D'accord, le nouvel immigrant, de fait, la construction de son modèle de réussite, ce n'est pas le modèle de quelqu'un qui voit dans la structure sociale, quelqu'un qui est à côté de lui ou qui est très très visible. Donc qui sera effectivement un footballeur, un basketteur qu'on voit à la télévision ou qu'il connaît. Deuxième aspect, c'était évoqué tout à l'heure. On ne s'autorise pas. C'est une formatrice dans un centre de formation des brevets fédéraux en foot qui dit, voilà, moi, ce que je vois, c'est que je vois des personnes qui ne s'autorisent pas. C'est-à-dire quoi ? Qui ne se projettent pas. Ils ne se projettent pas, ils ne se voient pas autre chose que ce qu'ils ont été un joueur. Et quand là, ils ont effectivement la possibilité de passer les diplômes, et ils les passent, en même temps, ils ne vont pas avoir cette attitude qui va être du côté du formateur, alors de dire, ah, celui-là, c'est vraiment un espoir parce qu'il en veut. Voilà. Hein, donc ce problème de l'intériorisation, finalement, d'une situation de dominer, d'ancien exclu, d'accumulation de difficultés. Le phénomène de
L'isomorphie, alors c'est quoi ? C'est le rapport de la prise de risque. Pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas de personnes issues de l'immigration ? Parce que personne ne l'a fait. Et ça, c'est aussi une règle qui est fondamentale dans le monde des organisations. Je recrute des personnes en prenant comme référence mes concurrents. Si mes concurrents ne prennent pas le risque, je ne le prends pas. À la limite, je peux avoir les meilleures intentions du monde, mais là va jouer le racisme involontaire. Oui, mais ils n'en voudront pas. Si je le prends, les autres n'en voudront pas. Alors, ça sera mes joueurs, ça sera les supporters, ça sera les actionnaires du club, etc. Enfin, tout ce qu'on voudra. Je ne prends pas. Donc, ce phénomène-là, c'est important. Et moi, je prends le risque de vous dire qu'il vous reste 23 secondes pour dire tout ce qui vous reste. Écoutez, voilà. Alors, je vais vous dire trois mots. Homophilie, je ne commande pas. Homophilie, je préfère mes semblables. Le ticket d'entrée, c'est deux fois plus. Et puis, je termine là-dessus. Effectivement, la question de la formation. Le football, alors je prends le football, mais le sport de façon générale. Aujourd'hui, on sait bien, on en parle dans les médias, partout, c'est quelque chose qui ramasse l'ensemble des problèmes de société. Par rapport à ce qu'il ramasse en termes de pratiquants, en termes d'expression dans les stades, dans les tribunes, tout ce qu'on voudra, il est sous-dimensionné dans sa capacité de maîtriser. On a parlé des bénévoles tout à l'heure, on a parlé effectivement du temps que prenait la formation, de la difficulté à le faire. Ben oui, c'est malheureux, mais justement, c'est un très très gros problème. Il y a vraiment un écart très très grand entre les enjeux qui sont présents dans le sport et la capacité de pouvoir y faire face en termes de formation de base et de formation continue. Et enfin, le dernier point, c'est stratégie collective de la part de ceux qui sont victimes de ces discriminations, c'est-à-dire le racisme, mais aussi d'incitation à l'investissement dans, je crois, la formation et les champs dans lesquels ils peuvent éventuellement réussir, soit politique pour être président de club, soit entraîneur avec un brevet intéressant pour exercer à haut niveau. Merci Patrick Mignon. Inégalité et discrimination entre les sexes, les moyens de lutter contre le racisme et les discriminations dans le sport, c'est à vous maintenant d'intervenir avec la salle qui s'illumine et vous qui tendez les mains pour attraper le micro si vous le souhaitez. Sur les deux thématiques, on est bien d'accord, qui ont été évoquées, n'hésitez pas à le faire. Moi-même, j'ai des questions, mais si vous en avez, ça serait quand même, vous êtes les bienvenus. Allez-y, désignez-vous, auto-désignez-vous, levez-vous si vous en avez envie. Oh, dis donc, comment vous avez été convaincants, les intervenants ? Non ? Madame, je ne sais pas, je dis madame, mais en fait, je ne vois pas. Oui, c'est madame. Allez-y, je vous en prie. Si vous souhaitez vous présenter, vous pouvez le faire. Oui, je suis Claudine, femme solidaire. C'est bien. Je fais un petit clin d'œil à Catherine. Oui. Voilà. Lors des actions qui ont été entreprises par les féministes dont je fais partie, je suis fière de parler de ça, mais il y a beaucoup de sortes de féministes, comme vous avez pu le remarquer, mais heureusement qu'elles sont là. Voilà. Donc, vous n'avez pas parlé de la prostitution de femmes et d'hommes autour des installations des Jeux Olympiques lors de la Coupe du Monde et tout. Parce que nous y sommes très sensibles parce que nous sommes sur ce terrain abolitionniste. Et donc, nous pensons que c'est quand même grave par rapport à la situation. Deuxième point, c'est par rapport à la déconstruction. Est-ce qu'il serait possible de fabriquer des outils ? Il en existe déjà. Parce que dès les enfants, je suis éducatrice de sport brevetée d'État, sport pour tous. Donc, j'ai eu des 4-6 ans. Eh ben, il faut déjà déconstruire. Certains petits garçons veulent bien, lors d'un parcours, monter sur la table, et des filles, par exemple, la table n'est pas une table, c'est un pont, parce qu'on a monté une histoire, et certaines filles disent, et non, je ne peux pas monter là, et ce qui entraîne des réactions entre les enfants. Bon, après, avec les parents, il y a des D'accord. problèmes. Donc, est-ce qu'il serait possible d'avoir des outils? Alors, il en existe, Femmes Solidaires, mais par rapport au sport. D'accord. Merci de votre intervention, madame. Si vous voulez réintervenir. Alors, je dirais, non pas que je veux éluder la première partie de la question, mais même si elle nous concerne, elle est un peu décalée par rapport à notre thématique. Donc, je vous invite à le faire peut-être sur la deuxième partie de la question, par rapport, effectivement, quels outils on pourrait bénéficier. Alors, oui, effectivement. Allez-y, va fonctionner. Je vais traiter cette deuxième question concernant les outils. Alors, justement, c'était un peu la deuxième partie de mon intervention. Donc l'action que je préconise, elle se décline à travers des outils de formation.
Alors là, aujourd'hui, j'en ai à peu près une vingtaine à mon actif. Alors j'en ai apporté que deux. Je vais assurer la promotion de mon boulot. Donc deux outils là qui sont des outils en fait d'intervention en formation. Donc c'est les formateurs qui récupèrent ça et lorsqu'ils interviennent dans le champ de la formation dans le milieu du sport, ils peuvent se servir de ces outils. C'est des outils qui sont livrés clé en main. Il y a l'outil de formation, les contenus et les moyens les procédures d'animation. Donc c'est les deux seuls qui ont une sortie papier. Mais par contre, il y en a d'autres, puisque l'essentiel de mon activité est vraiment tourné sur la formation des acteurs qui sont les acteurs un peu clés du système dans le sport. Donc les éducateurs sportifs, évidemment, sont des acteurs clés du système. Ils sont non seulement les cibles de ces outils-là en direct, mais c'est aussi la source d'inspiration. C'est au travers justement des expérimentations en formation que j'ai pu élaborer ce type d'outils. Les formateurs sont vraiment des personnes clés du système parce que, évidemment, sur les terrains de la formation en particulier, il arrive que la mixité donne lieu à des comportements qui sont discriminants et sexistes, que justement les formateurs ne sont pas peut-être aptes, a priori, d'identifier et surtout de circonscrire. Et puis, il y a un autre type d'acteurs, et les outils que je fais, et les cursus de formation également s'adressent à eux, ce sont les entraîneurs, jusqu'aux entraîneurs de très haut niveau, parce que là aussi, dans la relation entraîneur-entraîné, il y a de nombreux stéréotypes qui opèrent, et alors, je peux vous donner quelques petits exemples, mais des stéréotypes du style « entraîner les filles, c'est plus compliqué ». Alors ça, je le tiens de la bouche d'un entraîneur de haut niveau qui entraîne des collectifs féminins. Ça nécessite des savoir-être, des savoir-faire particuliers, de la diplomatie, de la sécurité et donc des compétences particulières. Donc on revient sur la notion de spécificité de l'entraînement des féminines, qui est un postulat de base qui aujourd'hui pratiquement tacitement accepté, qu'on ne rediscute pas. Alors aujourd'hui, justement, après un travail de recueil d'explicitation des entraîneurs de très haut niveau, on a pensé que ça serait bien de faire une action de formation qui prend pied justement sur non pas la spécificité féminine, mais plutôt la singularisation de la performance. Et donc, là aussi, derrière, il y a la question de traiter l'homme et la femme athlète comme étant un individu d'exception et donc qui ne colle pas au modèle tout fait et au prêt-à-penser de sexe. Voilà, une fille, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, donc on va l'aborder de telle et telle manière. Donc tous les outils de formation qui sont disponibles sur Internet, sur le site du Pôle Ressources, ils sont vraiment à disposition des acteurs du sport et des acteurs de la formation professionnelle dans le champ du sport, et aussi des bénévoles, bien sûr. Et ils sont en open source, on va dire. On se voilà sur la formation. Catherine Louveau, votre réaction, votre complément ? Oui, je suis pas d'accord avec Stéphanie sur la spécificité féminine. J'ai pas le temps de développer, mais si on part comme ça, on continuera de reproduire. Si on pense que les filles, c'est pas pareil dès le départ, et voilà, qu'elles ont une spécificité, c'est un différentialisme qui pose problème, parce que ça laissera entendre que c'est leur nature. Eh ben oui, mais non, justement, mais elle le pensait pas, hein, c'est ce qu'elle disait. Bon, ouais, des fois. Donc vous êtes d'accord, Madame Louveau ? Pas du tout. Alors non, je voulais répondre sur la question de la déconstruction. Sur les outils, la question que j'ai entendue, avec les petits, quoi, parce que les formations, on est d'accord qu'il faut intervenir dans les formations de tous les cadres sportifs. Ce n'est pas le cas actuellement. Des enseignants d'éducation physique, donc en STAPS, il doit y avoir 4 endroits en France où les étudiants ont la chance d'avoir un cours sur les problématiques de sexe. Ça ne fait quand même pas beaucoup. Bon, le sport, voilà. Bref, le corps, il est sexué. Hein, dans le sport, le corps, il est sexué. Et on ne peut pas le neutraliser, ça. C'est important de s'en rappeler. Les élèves ne sont pas des anges, comme disait une de mes collègues. Alors justement, la déconstruction, les outils, moi je pense aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a les formations et en même temps, il faut agir au niveau des enfants. Et là, des enfants et des jeunes.
Alors c'est là où on a le moins d'outils. Il y a quelques DVD qui circulent. J'ai eu l'occasion un jour de prendre connaissance d'un DVD fait par une DDJS, un GDOS, c'est Orne Alençon. Je les cite, je les nomme, je les dénonce, entre guillemets, parce que c'est très intéressant le DVD qu'ils ont fait, avec des jeux de rôle, des situations, justement, à partir desquelles on peut discuter avec des enfants et des ados. Voilà, le père, il dit ça à sa fille, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou bien, avec des petits de 4-6 ans, ce que fait Nicolas Barre, alors je ne peux pas raconter par le menu exactement ce qu'elle fait, mais c'est la question de la verbalisation des actions, c'est-à-dire... Tu montes sur la table, t'es un garçon. Et les filles, pourquoi vous n'allez pas sur la table ? Ah, bah, parce que j'ose pas, je vais tomber, j'ai peur, je sais pas, enfin bon. Et donc, d'essayer de les faire parler. Pourquoi les filles, elles ne pourraient pas, elles aussi, et nanana, etc. C'est-à-dire de... Alors évidemment, ça suppose que soi-même, c'est-à-dire les enseignants, soient formés. Mais il existe quelques DVD. Il y en a un qui est en réflexion, d'ailleurs, hein, comme outil pédagogique, je veux dire, avec des élèves, des enfants, mais le chantier est immense. Et évidemment, les outils, il faut les construire, quoi. Merci, Catherine Nouveau. Autre question, monsieur. Alors, on en a monsieur et madame. Et j'aurais presque envie de dire, ça va être les dernières questions par rapport au timing. Donc, allez-y, monsieur et madame. Patrick Vette, GDOS de l'heure. Voilà, je voudrais revenir sur la notion de sport-loisir que monsieur Lyotard a un petit peu repoussé. Je crois qu'il faut faire la différence. Et vous avez pu, en tant que judoka, faire un randori avec des femmes, mais ça n'a pas... Le randori n'a pas la recherche de la compétition et de la performance. Dès qu'il y a compétition, même en judo, je pense qu'on ne peut plus opposer de garçons avec les filles. Malheureusement, peut-être, mais je pense que c'est cette notion-là. Il faut faire la part des choses, et il y a pas mal de... Même des fédérations, je pense au handball dont je suis issu, où il y a des compétitions donc, fédérales, avec un championnat, etc. Et à côté de ça, des compétitions loisirs, type corpo, où des garçons jouent avec des filles, mais le but premier est autour d'un sport, de réunir des gens socialement autour d'une convivialité. Et la notion de plaisir et de pratique d'une activité physique est la recherche principale, et non plus la compétition. Je crois qu'en compétition, c'est très très compliqué. À l'UNSS, c'est pareil où j'en suis. En lycée, on organise des rencontres qui sont mixtes entre les... de sport collectif entre les garçons et les filles. Pas en rugby, mais dans football, c'est possible. Après, un championnat qui, lui, il recherche la compétition aussi. Et la dernière chose, petite boutade, à M. Lyotard, si j'avais été nageur, je me serais senti un petit peu discriminé. Tout à l'heure, j'ai appris que le judo et le football étaient des sports un peu plus nobles. Voilà. Passez votre micro à la dame qui est devant vous, qui va se tourner. Voilà, c'est fait. Allez-y. Bonjour, moi je suis venue au colloque, je suis enseignante de PS au collège Henri Vallon, donc c'est le quartier Montgaillard au cœur du Havre. Et en fait j'avais une question parce que moi mon problème c'est de lutter contre les discriminations pour faire entrer les enfants du quartier dans le sport, puisque je suis dans un quartier où il n'y a aucun sport collectif qui est proposé aux filles, aucune activité de combat. Et au-delà même du quartier, c'est-à-dire que les filles, pour aller faire du sport, elles sont obligées de prendre le tram. Je suis dans un quartier où le collège est éclair, zone sensible, ZEP, la totale. Donc les enfants n'ont pas l'argent, donc ils n'ont pas non plus l'argent de prendre le tram. Et donc c'était l'occasion, ce colloque en Seine-Maritime, pour dire qu'en Seine-Maritime, au quartier Montgaillard, les filles ne peuvent pas faire du sport. Donc la seule solution qu'on leur propose, c'est le sport scolaire, l'UNSS. 15 euros toute l'année, elles peuvent faire du badminton, de la natation, enfin tout ce qu'elles veulent, du basket, du football. Et en l'occurrence, nous, notre UNSS, elle a beaucoup de mal à vivre puisque la ville du Havre ne subventionne pas l'UNSS dans les collèges. Donc c'est quand même dommage. Et la dernière solution pour les demoiselles, c'est de pratiquer le football puisque tout à l'heure, j'ai entendu Gilles Foy, je ne savais pas qu'il était présent, qui s'occupe du district maritime football. Et c'est quand même la seule fédération qui s'est intéressé aux filles dans notre quartier, puisqu'on propose une option football pour les filles. Et c'est très compliqué, donc j'entends beaucoup parler du football, et moi, dans mon collège, c'est la seule fédération qui s'intéresse aux filles qui sont présentes dans mon établissement. Merci de votre témoignage, madame. Alors, je vais devoir inviter nos différents intervenants sous vos applaudissements spontanés, bien sûr, à regagner vos places.
Et pour me permettre, je me permets juste un petit détail pour appuyer les propos de Catherine Louveau. Je lui disais au téléphone, j'ai la chance d'avoir encore des petites filles parmi mes enfants. Je n'ai que des filles. Et une fille me disait, papa, ce matin à l'école, on a fait un sport et le garçon, il était tout seul et on était six filles. Et il a dit, c'est moi le capitaine parce que c'est le masculin qui l'emporte. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et j'invite M. Lyotard à nous proposer sa synthèse avant les phases conclusives. Je voudrais juste rajouter que vous avez pris beaucoup, beaucoup de notes. Mais sans vouloir focaliser sur Mme Louveau, elle en a pris énormément aussi, parce qu'elle prend beaucoup d'informations pour pouvoir encore plus développer ses arguments qu'elle sait si bien faire à chaque intervention. Alors, c'est très difficile comme exercice, surtout après tout ce qui a été dit. Alors, j'ai deux, trois choses à poser peut-être d'emblée, tout en ayant conscience que c'est toujours difficile de dire les choses rapidement. On a vu en deux, trois occasions avec des personnes qui étaient là aux tables rondes, qui sont vraiment spécialistes de leur domaine et qui sont obligées en deux, trois mots de résumer, raccourcir. Et donc, ça génère parfois des malentendus. J'ai bien dit des malentendus, mais si on écoute bien, on peut les lever, ces malentendus. Je vais juste citer un psychanalyste qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est Jacques Lacan, qui disait à un moment, « Toute ma vie, j'ai écrit pour lever des malentendus. » Et à chaque fois que j'écrivais pour lever ces malentendus, j'en produisais de nouveaux. Bon. De nouveaux, pas de louveaux. Hein. Excusez-moi. Ouh. C'est facile, excusez-moi. Alors, la synthèse, en fait, cette synthèse, j'ai essayé de la penser par rapport à deux choses. D'abord, si on veut penser les processus de discrimination, on doit les penser dans leur globalité. Dans leur globalité, qui vont s'illustrer par rapport à des spécificités qui ont été présentées ici. Chacun des critères qui génèrent des discriminations ou qui suscitent des discriminations ne sont pas tous perçus, on l'a vu, et ne sont pas tous perçus avec la même vigilance lorsqu'ils le sont. On l'a vu, l'exemple du football était remarquable tout à l'heure, le collègue CTR qui dit la discrimination homophobe dans le foot, on en parle depuis peu, donc on voit... Enfin, oui, parce que justement... C'est justement parce que c'est quasiment de l'ordre de l'impensable que c'est très difficile d'en parler. Et comme on commence à en parler maintenant, ça devient difficile avec des gens qui réagissent en disant « ça, je ne veux pas en parler, je ne veux pas en parler ». Je fais référence à des jeunes, hein, des footballeurs, mais on trouve ça dans d'autres cadres. Hein, encore une fois, ce n'est pas un sport qui est visé, c'est plutôt quelque chose qui relève de la socialisation des jeunes garçons notamment, même si on a vu le film sur le handball, mais la socialisation des jeunes garçons qui apprennent que pour être un garçon, il ne faut surtout pas être homosexuel. Et ça renvoie à des choses que je développerai par ailleurs. Donc, penser la globalité des processus de discrimination tout en ayant conscience de la spécificité de chacun des critères qui vont générer ces discriminations. Et puis, un point important quand même, ça me paraît le point que je voudrais poser, c'est qu'agir contre les discriminations, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi et il ne suffit pas non plus toujours d'avoir la volonté que les choses se passent bien. Il y a des mécanismes à penser, il y a des invisibilités à dévoiler, et agir contre les discriminations, c'est avant tout un acte politique. Un acte politique, pas seulement au niveau ministériel, au niveau des ligues ou des districts, pas seulement au niveau du conseil général ou de la direction départementale de la cohésion sociale, c'est un acte politique au niveau de chacun et de chacune, au niveau du club, au niveau, à l'intérieur du club, des acteurs. C'est-à-dire qui, face à une discrimination avérée, va simplement dire... Ça suffit, tu ne peux pas faire ça. Qu'on soit éducateur, qu'on soit acteur, joueur, joueuse, tout le monde peut intervenir. Tout le monde peut intervenir à un moment, à condition que l'on ait la volonté, mais aussi les moyens, aussi les pouvoirs. Et notamment, tout à l'heure, la personne qui a pris la parole en disant le meilleur moyen pour lutter contre l'homophobie, c'est de rester dans le club et de lutter. Oui, à condition de le pouvoir. Et ce qu'a montré Anthony, c'est loin d'être évident de pouvoir s'exprimer, se manifester comme étant différent, dans un environnement qui peut être parfois très hostile. Bon. Alors, sur les points que j'aimerais relever peut-être en termes de synthèse, c'est la question donc, des normes perçues. Les normes perçues, la formule a été utilisée, je crois, par Anthony Metz,
On les retrouve à la fois sur la question de l'homophobie, sur la question de du sexisme. Et quand Catherine Louveau dit que les plus durs dans le jugement, ce sont les pères, oui, parce que spontanément, si on n'explique pas que la différence est quelque chose qui n'est pas condamnable, ou alors la différence n'est pas quelque chose face à laquelle on peut se permettre de se moquer ou de rigoler, eh bien spontanément, les enfants, les adolescents vont être très durs entre eux. D'où l'importance, justement, du deuxième point, qui est de ne pas laisser faire ces aspects, je dirais, intériorisés, incorporés de socialisation qui viennent des parents, qui viennent des amis, qui viennent de l'environnement culturel, finalement. Mais surtout, de pouvoir, justement, travailler à la formation. Là aussi, c'est un point qu'on a trouvé dans toutes les interventions. La formation des intervenants, la formation des adultes, qu'ils soient éducateurs sportifs, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient dirigeants. Former les dirigeants, c'est important, parce qu'un dirigeant qui est sensibilisé à une question, il n'a plus besoin, peut-être, après, d'intervention extérieure pour être lui-même vigilant à ce qui peut se passer dans sa structure. Donc la formation est un point important, parce que quelqu'un qui est formé va devenir vigilant. La vigilance ne se décrète pas là encore. L'exemple de l'homophobie, pour moi, c'est vraiment un révélateur. Le racisme, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, même si les problèmes sont loin d'être réglés, et on l'a vu encore très récemment. Mais la question de l'homophobie est pour moi révélatrice de ce qu'est un impensé social. Un impensé social. C'est-à-dire qu'on ne voit pas où est le problème. On ne voit pas où est le problème. Michel Royer, en 2010, je crois, a produit un documentaire sur Canal+, à une heure de grande écoute, dans le créneau sport, qui s'intitulait « Sport et homosexualité, où est le problème ?» ou « Quel est le problème ?» On l'a vu tout à l'heure, où est le problème ? Dans le témoignage d'Edouard, je crois. Où est le problème ? Il n'y en a pas de problème, sauf pour les personnes qui sont victimes de discrimination, alors même que personne ne le perçoit autour. Et c'est ça qui est terrible. Être seul ou être minoritaire au sein d'un groupe qui ne prend pas conscience de la différence et surtout du système de hiérarchie qui fait que la personne discriminée se retrouve isolée et donc en souffrance, c'est quelque chose de terrible. Alors pour cela, les spécificités du sport, il y en a quelques-unes qui ont été présentées. Bien sûr, on peut intervenir sur ce que j'ai dit là aussi très rapidement sur le sport loisir, mais dans ce que vous dites, vous ne contredisez pas ce que j'ai dit, puisque j'ai bien dit que la compétition est aussi du loisir. Mais hiérarchiser le type de pratique par rapport au seul modèle compétitif et donc classer finalement les individus entre ceux qui sont capables d'être performants, d'aller vers l'excellence sportive et les autres, c'est déjà une forme de discrimination spécifique au sport. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Ou alors on se dit, c'est comme ça et on n'y change rien, mais à ce moment-là, on ne dit pas, on va essayer de penser la manière de transformer le rapport à la différence, on va essayer de lutter contre les discriminations sans rien changer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas lutter contre les discriminations, contre les inégalités, contre le racisme, l'homophobie, pour l'intégration des personnes handicapées, sans rien changer. Ce n'est pas possible. La question qui se pose, c'est quoi changer ? Avec quel levier ? À quel niveau ? On l'a vu, il y a des outils. Il y a des propositions qui sont faites. Il y a des idées qui existent. Et je suis surpris à chaque fois que j'interviens sur les discriminations de voir que partout où je vais, il y a par exemple des clés USB comme aujourd'hui, il y a des livrets, il y a des CD, il y a des choses qui sont faites. Donc il y a des choses qui sont faites partout. La seule question qui se pose, c'est comment on va, en tant qu'acteur, s'approprier des outils ? C'est ça la question, parce que les outils existent. La question qui se pose donc peut-être, puisque l'enjeu du colloque, si j'ai bien compris, c'est de générer quelque chose, c'est de lancer une politique, c'est de mettre en place pour les années à venir sur la région ou sur le département, enfin sur le département, parce que c'est le département qui est moteur avec la direction départementale, mais on peut imaginer que ça s'étend à la région, c'est produire une politique sur les discriminations. À partir du moment où il y a une volonté collective, à partir du moment où il y a une volonté commune, on peut travailler. Les outils existent et la seule difficulté, c'est plutôt d'arriver à ce que ces outils soient diffusés et puis que les expérimentations dont on a vu vos deux expérimentations, vos témoignages des Hauts-de-Rouen, c'est ça, c'est les Hauts-de-Rouen, montrent que le fait de prendre conscience de quelque chose et d'agir, même si ça se fait de façon marginale et pas d'une façon ordinaire, ça produit des effets. Donc je dirais que l'enjeu premier pour ce travail, c'est d'abord de travailler ensemble, c'est ce qui est en train de se faire, mais c'est aussi de produire des outils. Alors, deux types d'outils. Des outils qui posent des constats. Patrick Kahn l'a montré tout à l'heure, il y a des tas de choses qui sont connues aujourd'hui sur le racisme, sur les femmes. Stéphanie Mahué a montré également toute une série de données. Catherine Louveau les a reprises.
l'enquête dont on y met objectif des choses. Donc ça, on est capable de le faire. En revanche, c'est plus difficile peut-être de travailler sur le second point, qui est de penser la domination et les façons de s'en extraire. Ce que dit Patrick Mignon tout à l'heure sur la question de l'accès, du passage de minoritaire, majoritaire sur le terrain, on pourrait dire. Les minoritaires, majoritaires dans les équipes de foot ou de basket, qui sont minoritaires dès lors qu'on s'élève en termes de gouvernance ou en termes de cadre technique, ça veut dire qu'il faut que l'institution elle-même s'interroge sur les absences, sur l'absence de femmes, l'absence de personnes de couleur, l'absence d'homosexuels, l'absence de personnes handicapées également dans les structures sportives ordinaires. Donc tous ces éléments supposent un retour sur soi. Un retour sur soi qui suppose de l'humilité. Parce que l'enquête le montre. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a de la discrimination, mais pas chez soi. La discrimination, c'est les autres. À partir de là, l'humilité commande qu'on s'interroge sur ce qu'on ne perçoit pas encore pour pouvoir y travailler. Dernier point, et ça renvoie à la remarque qui a été faite tout à l'heure sur le fait qu'on ne peut pas... On peut faire un randori avec une femme, mais quand même, quand on passe aux choses sérieuses, ce n'est pas la même chose. C'est vrai. Quoique, malgré mes 93 kilos, je ne voudrais pas faire un randori avec n'importe quel judokate de l'équipe de France, même en moins de 50 kilos. Alors, cette question, elle suppose d'interroger ce que j'appelle l'économie de la différence corporelle. Patrick Mignon dit que le sport expose les corps. Bien sûr, on les voit, les corps. On voit les corps, on voit ce qu'ils produisent. Quand Catherine Nouveau travaille sur la virilisation, le procès de virilisation en fait aux sportives, c'est-à-dire celles qui commencent à être un peu trop masculines, mais performantes, eh bien tout d'un coup, on les interroge sur, non pas leur performance, puisqu'elles sont performantes, mais sur l'infraction qu'elles créent aux stéréotypes, l'infraction qu'elles créent par rapport à l'ordre qui fait que les femmes n'ont pas à être musclées, à avoir des épaules, à avoir des quadriceps développés, etc. Donc il y a quelque chose qui se joue du point de vue du corps. Et j'invite tout le monde à réfléchir à cette question. C'est-à-dire que le corps est mis en jeu, et est-ce qu'on ne peut pas travailler à une nouvelle économie de la différence corporelle, c'est-à-dire une nouvelle répartition des corps, des individus, alors, qui n'interdit pas la pratique de performance, qui n'interdit pas la compétition fédérale, mais qui l'accompagne, et pas seulement ailleurs, pas seulement dans les fédérations multisports, l'UNSS, la FSGT, la FSGL, mais aussi à l'intérieur des fédérations sportive unifiée autour d'un sport qui pourrait aussi et qui gagnerait sans doute à proposer des modalités de pratique différenciées de façon à créer les conditions et les espaces du jouer ensemble plutôt qu'à maintenir les conditions d'une exclusion réglementaire organisée. Je vous remercie. Merci Philippe Piotard, merci beaucoup. Je vous invite à gagner votre place. Merci beaucoup. On va passer à la phase conclusive dans un instant. Je voudrais juste me permettre, puisqu'on avait la chance d'avoir avec nous la LICRA, notamment par l'intervention de Patrick Kahn, de vous indiquer que le 21 novembre prochain, c'est éminent, se tiendra ici même à 18h30 un autre débat. On parlait d'outils. Et là, on parlera de nouvelles technologies et notamment des instruments de la cyber-haine, tout ce qui peut être colporté à travers les réseaux sociaux, mais pas que les réseaux sociaux. On peut parler... des Twitter, ça en fait partie également, des tweets. C'est juste se dire que vous avez un autre rendez-vous. Si vous souhaitez être des nôtres le 21 novembre à 18h30, vous serez les bienvenus, monsieur le président du département. Je vous invite maintenant à ouvrir cette phase conclusive de notre colloque de cet après-midi. Je vous en prie. Monsieur le secrétaire général adjoint de la préfecture, représentant monsieur le préfet, monsieur le député, j'ai vu Pierre Léautey dans la salle tout à l'heure, monsieur le vice-président de la région, cher Kader, messieurs et mesdames les conseillers généraux, élus, mesdames et messieurs les représentants et responsables du mouvement sportif, je voudrais tout simplement vous dire la fierté qui est la nôtre d'avoir accueilli en partenariat avec les services de l'État ce colloque cet après-midi dans les murs de l'hôtel du département. Je pense qu'aujourd'hui, grâce aux divers intervenants que je remercie, le débat a été
d'un haut niveau. Il a permis d'approfondir un certain nombre de questions. Il vous a permis d'exprimer aussi quelles étaient vos expériences et vos pistes de solutions. Je crois que globalement, ce colloque a permis, au-delà de cette salle, de sensibiliser, d'informer et plus globalement, nous a amené à encore plus de résolutions pour agir fermement contre les discriminations, toutes les discriminations et en particulier celles survenant dans le sport. Un pays où les idéaux d'égalité, de liberté et de fraternité ont été proclamés avec une telle force depuis des générations, que l'on oublie d'ailleurs trop souvent qu'il y a des secteurs entiers de la vie sociale où ils sont honteusement bafoués. C'est quotidien, quels que soient les secteurs de notre vie collective, mais c'est d'autant plus pénible à constater dans les pratiques sportives que l'on considère comme celle où justement fraternité, respect doivent prévaloir. Le sport est, à l'instar de l'école, porteur de valeurs fortes. Il doit permettre l'épanouissement et l'intégration de chacun. Il doit permettre l'ouverture aux autres, la découverte et l'accès au respect. Il doit forger le citoyen et ne doit en aucune façon être l'objet de discrimination. Malheureusement, vous en avez fait la démonstration, tel n'est pas le cas, car le sport n'est ni hors du temps, ni hors de l'espace. Il est à l'image de notre société, et cette société, dans cette période difficile que nous traversons, a tendance encore plus que d'habitude à se refermer, à générer du repli sur soi, et à désigner l'autre comme responsable de tous les maux que l'on peut connaître. Le premier problème à résoudre dans ce contexte, avant même de livrer combat contre les discriminations, et j'y reviendrai, c'est d'abord celui de la prise de conscience. Il faut, et ça a été dit encore à l'instant, parler de ce que nous connaissons, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, et ne jamais laisser passer une parole, un acte qui serait contraire aux principes de respect, d'égalité et de fraternité. Parler, c'est d'abord admettre que ça existe, et le faire admettre. Parler, c'est ne rien laisser passer, quel que soit l'âge de celui qui propage des idées que nous combattons. Tout petit, ça a été dit tout à l'heure, il faut déconstruire les représentations qui malheureusement peuvent être là très tôt. Les démarches que nous avons engagées en Seine-Maritime sont de multiples natures. Nous connaissons tous, dans les études qui ont été menées, dans les questionnaires qui sont diffusés, dans nos expériences personnelles, des situations qui font froid dans le dos et qui disent à leur manière les tensions qui sont vives. Combien de fois avons-nous entendu tel sportif dire « j'ai été mis à l'écart à de nombreuses reprises en raison de mon nom » que tel autre dit qu'il a été hué et moqué en raison de la couleur de sa peau, que celui-ci explique qu'il est exclu trop régulièrement du groupe parce qu'il a affirmé son homosexualité. Ceci n'est d'ailleurs pas le monopole du sport pour tous, du sport loisir, du sport amateur. Ça existe aussi, malheureusement, dans le haut niveau, avec l'ampleur de cette caisse de résonance
que sont ces spectacles qui passent à la télévision ou qui réunissent des dizaines de milliers de personnes dans les stades. On se souvient de Samuel Eto'o, récemment l'objet de mimique le comparant à un singe. On se rappelle de ces supporters parisiens qui traitaient les Lillois venus leur rendre visite de pédophiles et de consanguins. On se rappelle de cette phrase malheureuse de Tony Parker, qui d'ailleurs s'en est excusé ensuite, mais elle a été formulée au sortir de la demi-finale du dernier championnat d'Europe de basketball, qualifiant sans détour, je cite, de tapette des joueurs à qui il reprochait leur manque d'enthousiasme et de dynamisme. C'est dire que le problème est vaste. Il ne s'agit pas simplement de personnes qui n'auraient pas bénéficié d'une éducation suffisante, qui n'auraient pas été formées, qui n'auraient pas été sensibilisées. Non, ce problème touche un trop grand nombre de personnes, y compris des personnes responsables, en tout cas que l'on souhaiterait telles. D'ailleurs, sans vouloir trop élargir le sujet, il suffit de voir ce qui est arrivé tout récemment à une ministre de la République, prise à partie par une gamine qui a proféré des propos qui relèvent de l'injure raciste. C'est dire que la question est d'importance et que le simple fait de le reconnaître et d'en parler ouvre déjà les perspectives pour les combattre. Les discriminations, qu'elles soient liées au genre, à la santé, à l'âge, à la couleur de peau, à l'apparence physique ou à l'orientation sexuelle, ou à toute autre différence, appartient à cette gamme d'actions qui peuvent aisément se diluer dans la vie quotidienne sans que nous n'y prenions suffisamment garde. Il faut de façon systématique les dénoncer. Ces aspects, ces problématiques sociales appellent, et ça a été souligné par la personne qui synthétisait les travaux, des réponses politiques au sens plein du terme. À la fois, bien évidemment, des réponses institutionnelles. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative s'y est engagé avec beaucoup de résolution. Cela appelle bien évidemment des réponses de tout ce que nous représentons, collectivités territoriales, élus, responsables du mouvement sportif. Mais cela appelle aussi des réponses politiques individuelles, car chacune et chacun d'entre nous sommes des citoyens. Et en tant que citoyens, nous devons veiller au pacte républicain et à ce qui le constitue. Et ce sont les valeurs de celui-ci que nous devons tous défendre. En Seine-Maritime, il y a 250 000 habitants licenciés dans une association ou un club. C'est-à-dire un habitant sur cinq. C'est dire quelle est l'ampleur de l'engagement que nous devons prendre, car cette micro-société, en fait, n'en est pas une. 25%, 20% de notre population vit plusieurs fois par semaine une activité sportive. Et on peut imaginer, après avoir entendu les diverses exposés de cet après-midi, à combien de reprises les situations évoquées doivent revenir. Il faut donc que nous puissions, les uns et les autres, mettre en œuvre des dispositifs qui puissent permettre, d'abord au plus grand nombre et à toutes celles et ceux qui le souhaitent, de pratiquer les activités sportives et de ne pas craindre d'en être exclus. C'est la raison pour laquelle le département a mis en œuvre toute une série de choses en mobilisant dans les trois dernières années 2,5 millions d'euros au bénéfice d'actions spécifiques garantissant l'accès au plus grand nombre à ces activités.
Je pense à des actions comme Solisport, qui a été mise en place en 2011, qui encourage la pratique sportive pour les personnes handicapées, les seniors, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ou encore les personnes à très faible revenu, résidant dans des territoires ruraux et qui n'ont pas à disposition les disciplines sportives qu'ils souhaiteraient pratiquer. Je pense aussi à un dispositif beaucoup plus ancien, Passeport 76, destiné aux enfants des familles qui perçoivent l'allocation de rentrée scolaire et qui donc ont des revenus modestes, voire très modestes, et qui bénéficient d'un accompagnement financier pour prendre la licence des jeunes jusqu'à 18 ans. Je pense aussi au travail qui a été réalisé en partenariat avec l'État et le mouvement sportif pour labelliser les clubs handisport qui mettent en œuvre pour ces personnes en situation de handicap des dispositions particulières leur permettant elles aussi de pratiquer le sport qui leur plaît. On pourrait aussi citer les actions que nous avons engagées en direction des seniors. Je pense en particulier aux randonnées nordiques qui rencontrent un grand succès et qui sont certes pas du sport de compétition, mais qui sont autant d'animations qui permettent, quel que soit l'âge, de renouer avec les vertus de cette activité sportive, le renforcement du lien social, l'intégration et la lutte contre l'isolement, l'effort physique et bien évidemment les enjeux de santé qui en découlent. Il y a ici une exposition sur le sport et les discriminations qui va circuler dans les 111 collèges du département pour sensibiliser les 65 000 collégiens de Seine-Maritime, les sensibiliser à l'absurdité des propos, des actes discriminatoires dans le sport. Et nous comptons sur les enseignants, bien évidemment, les équipes pédagogiques, pour relayer cette action et en faire, dans le cadre du contrat de réussite éducative départementale, un des éléments du volet citoyenneté. Voilà, les discriminations sont malheureusement transversales. Elles doivent être combattues sur tous les fronts. Ce sera l'objet du plan territorial d'action de prévention des discriminations qui a été adopté par l'État, la région, le département et la CREA, il y a de cela quelques semaines. C'est aussi l'objet de notre plan départemental d'égalité entre les femmes et les hommes, adopté et qui va entrer en vigueur progressivement. Et ce sera aussi sous la supervision du conseiller général Ludovic Delesque, qui est chargé de cette question, du futur plan départemental de lutte contre les discriminations que nous allons bâtir avec de nombreux partenaires, en particulier avec la LICRA ici présente. Les formations dispensées par les services du département à nos partenaires associatifs dans le cadre de ce que nous faisons maintenant appelé bénévole 76 concourent aussi à sensibiliser et former les responsables à cette question. Ce n'est pas parce qu'il y a effectivement des différences entre les hommes et les femmes qu'il faut conclure à la suprématie des uns et à l'infériorité des autres, disait l'historien et académicien français Jean Rostand. Il avait raison. Il faut en conclure que la lutte contre les discriminations passe d'abord par l'acceptation des différences et ensuite par le combat contre toutes celles et ceux qui refusent ces différences. C'est la raison pour laquelle nous resterons pour les mois et les années qui viennent engagés à vos côtés et aux côtés de l'État pour faire avancer cette noble cause. Et j'aurais remercié toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ont participé à cette manifestation, à ce colloque, et qui demain repartiront encore plus forts dans leurs associations et leurs structures
pour mener ce combat pour la République. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sous-préfet, Monsieur Étienne Guité, secrétaire général adjoint à la préfecture de région, je vous invite également au mot de la fin. Monsieur le député, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, déjà, évidemment, je souhaite excuser Monsieur le préfet qui aurait voulu pouvoir se joindre à nous, mais qui est évidemment retenu à d'autres occupations. Je voulais aussi tout simplement féliciter l'organisation de cette réunion, de ce colloque discrimination spécifique, comment lutter contre la discrimination dans le sport, parce qu'effectivement, on le voit bien, aujourd'hui, notre société, on essaie, et je crois que là-dessus, l'action à la fois de l'ensemble des collectivités, mais aussi de l'État est très forte, pour aller faire en sorte que les gens, les jeunes, les moins jeunes, aillent vers le sport, pour que le sport soit effectivement quelque chose qui soit à la portée de tout le monde, quels que soient ses revenus, quels que soient ses moyens, quelles que soient ses compétences sportives, mais que tout le monde puisse y accéder. Et c'est vrai, je crois qu'on l'entendait tout à l'heure, j'ai noté différentes choses, des témoignages aussi de certains d'entre vous, assez poignants, montrant que malgré l'effort que l'on fait au quotidien pour mettre tout le monde à disposition, mettre le sport à disposition de tout le monde, effectivement, il reste des discriminations, il reste des sujets compliqués à traiter, que sont effectivement la présence féminine parfois dans tel et tel sport, comment faire en sorte que des remarques, des mots blessants ne soient plus effectivement quelque chose sur lequel on se heurte. Alors, vraiment, cette action, moi je la vois dans deux aspects. Évidemment, cet aspect du sport et cette lutte que l'on doit mener au quotidien par rapport à ces comportements qui ne peuvent être acceptables et qui sont évidemment pour lesquels on doit lutter évidemment tous les jours, que ce soit en école, que ce soit l'éducation, que ce soit évidemment les associations sportives que vous représentez aujourd'hui, parce que c'est une lutte de tous les jours, de tous les instants, et vous l'avez rappelé, il ne faut pas penser que ça peut être quelque chose qui est, je dirais, classique et qu'on ne relève pas tel ou tel mot, telle ou telle insulte. Donc, évidemment, ce colloque s'inscrit, et je crois que la présence qu'aurait voulu Madame la Ministre aujourd'hui montre que ce colloque s'inscrit complètement dans l'action gouvernementale, puisque... évidemment, la politique du ministère vise plusieurs choses, en particulier de réduire les inégalités sociales sur l'accès au sport, les inégalités territoriales, permettre à ce que tous les secteurs et tous les endroits de notre territoire puissent être couverts par des associations sportives, que la pratique du sport puisse être faite partout, mais aussi une lutte forte, affirmée, je crois, contre les phénomènes de violence, les phénomènes de discrimination, les incivilités. Et ceci est, je crois, la concrétisation de cette volonté. Donc évidemment, l'État, et en particulier la direction départementale de la cohésion sociale, en charge de ces questions-là pour l'État, se sont fortement investis, à la fois aujourd'hui aux côtés du département, mais je dirais de façon quotidienne, aux côtés du monde associatif et du monde sportif, pour permettre, effectivement, de prendre en compte ces thématiques dans leur quotidien. C'est pour ça aussi que, évidemment, ils ont répondu, et je crois que c'était un engagement fort de l'État, de répondre à un appel à projet en 2012 pour permettre d'avoir des crédits supplémentaires, là encore, pour mener des actions concrètes sur le territoire auprès des associations sportives, et donc de leur permettre d'avoir une réflexion plus approfondie, puis de pouvoir vraiment mener des actions à la fois auprès des éducateurs, à la fois auprès des publics, pour qu'on puisse avoir une lutte, je dirais, vraiment au plus près du terrain contre ces phénomènes de discrimination, de quelque nature qu'ils soient. On est effectivement aujourd'hui dans un colloque qui a réussi à mobiliser l'ensemble des acteurs. Je crois qu'il faut souligner, j'ai cru comprendre qu'on était 350 ce soir, donc c'est effectivement un chiffre important qui montre la mobilisation de tous sur cette thématique. Donc évidemment,
l'esprit, je crois, de la journée était d'arriver à avoir, à définir quels étaient les problèmes, à avoir une réflexion globale sur ces discriminations, et puis à trouver, bien évidemment, derrière des pistes de réflexion qui seront détaillées, je pense, dans les différents plans, et qui sont déjà dans les différents plans, mais qui seront mises en application par l'application de ces plans. Donc je crois que là-dessus, l'objectif, on peut très clairement le dire, est atteint. Évidemment aussi, je pense qu'on est sur une politique de la discrimination dans le sport qui demande un travail en profondeur, je l'ai dit, qui demande à être au quotidien et de façon répétée, parce que c'est de la pédagogie, à la fois auprès des jeunes, à la fois auprès des adultes, à la fois, je dirais, auprès des sportifs de haut niveau. Vous l'avez rappelé, plusieurs parfois oublient leur rôle d'exemplarité qu'on leur demande à avoir au quotidien. Effectivement, c'est, je crois, aujourd'hui, la télé, les médias permettent de reproduire très facilement des comportements que l'on voit au niveau des spectacles que sont les matchs de foot et différentes manifestations sportives retransmises de façon importante par les médias. Il faut que ces manifestations et que les sportifs de haut niveau qui sont présents dans ces manifestations montrent l'exemple pour que nos jeunes et nos adultes aussi, parce que ce n'est pas que eux, soient aussi exemplaires dans leur comportement. Le sport, c'est l'école du fair play. Il y a l'école qui éduque beaucoup, qui nous apporte toute une formation, qui nous apporte de la culture, qui nous apporte une éducation. Le sport aussi nous apporte des éléments et des valeurs supplémentaires, en particulier le fair play, en particulier le fait d'être tous autour d'un même but et de former une équipe, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos orientations sexuelles, quels que soient nos revenus. On est vraiment tous dans une équipe, et c'est ça, je crois, qui est important dans le sport. Et je crois que là encore, c'est l'enjeu et la perspective que nous devons tous avoir. En tout cas, je vous félicite vraiment d'avoir eu cette initiative, Monsieur le Président, avec évidemment le soutien de l'État et puis je crois l'ensemble du monde associatif, pour pouvoir mettre en place ce dispositif, cette réunion, et évidemment derrière d'arriver à décliner les différentes actions qui peuvent être aujourd'hui, qui ont pu être discutées aujourd'hui sur le terrain. Je crois que maintenant, on est là tous ensemble pour aller réussir à faire en sorte que la lutte des discriminations dans le sport soit quelque chose qui est une préoccupation quotidienne de l'ensemble des dirigeants des associations sportives, des responsables, quels qu'ils soient, aussi bien des collectivités locales, de l'État, que des responsables de l'éducation nationale. Donc, je crois qu'on tient un plan départemental dans ce sens-là. Il faut qu'on arrive à le développer. Je pense qu'on y arrivera sans problème parce que la volonté des uns et des autres est là. Et donc, je dirais tout simplement, nous formons notre équipe aujourd'hui pour aller lutter tout simplement ensemble et gagner ce combat. Merci. Merci, Étienne Guité. Bien, comme diraient les coureurs de demi-fond, un colloque, et je me tourne vers Kader Chekemani, un colloque, évidemment, on y a laissé un peu de notre énergie, de notre volonté. Donc, c'est pour ça que pour vous réhydrater, vous voyez, comme ça vient de loin, il y a un cocktail qui est servi derrière. C'était pour essayer de trouver une liaison, pour vous réhydrater. Au passage, si vous voulez faire un petit détour de ce côté-ci ou derrière, n'oubliez pas que vous avez toujours à disposition l'expo itinérante discrimination dans le sport. Et puis le résultat des mots que le collectif Just Keep Dancing vous a présenté tout à l'heure avec la formule prévention danser. Donc il y a encore les mots qui ont été sollicités auprès de vous qui sont là-bas. Merci de votre présence, de votre participation, et forcément, on continue de compter sur vous.